Eh bien, salut la VOD, on se retrouve pour une nouvelle VOD bonus sur Assassin's Creed Brother. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux tanières de Romulus, et donc évidemment à son magnifique trésor. C'est ça qui nous intéresse, hein, évidemment. Petite chute, histoire de bien perdre des PV pour commencer, ça c'est magnifique. Allez, on y va. Bon, on a 5 tanières à faire, puis... une zone de trésor qu'on n'a jamais été voir, hein. On ne l'a jamais vu, donc on a hâte de découvrir ça. J'ai hâte aussi d'espérer voir que le défi de 100% des tanières de Romulus, s'il y en a, je crois que oui, bah, ce soit pas dû peut-être leur moins de 2 minutes, histoire que du coup je dois faire la tanière 2 fois pour l'objectif de 100% et une autre fois pour récupérer les trésors et les drapeaux. Voilà, c'est insupportable. Donc, s'il vous plaît, un défi comme par exemple... Utiliser que la lame secrète, des choses comme ça. S'il vous plaît. T'en supplie. C'est une demande personnelle. Voilà. Petit crochetage. Dis, t'as vu le chevalier mort? Ils vont se décider de venir, les SDF, là, du coup. Bon. J'ai encore détruit de l'or, hein, parce que bah, je suis censé être blanc, effectivement, je ne le suis plus. Eh oui, je suis devenu noir, ben oui, comme Michael Jackson. Bah, voilà, chacun décide dans quel sens il le fait, mais vous savez, on peut se faire plaisir. Hein. Terminer la mémoire en moins de 8 minutes. Non! 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 Oh non! Bon, bah, mode speedrun activé. Ou alors mode d'abord recherche de trésor. Hein. En mode speedrun, hein. C'est très dangereux de commencer par le speedrun, parce que du coup, je connais pas du tout la map. En plus, il va falloir être discret, apparemment, si j'ai bien compris. Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius, et spiritus sanctus. Amen. Mais finalement, je suis pas du tout dans une tanière de Romulus, là. Deo gracias. Je ne suis pas du tout dans une tanière. Hein. Je suis connu des gardes. C'est la guerre cette mission. On est le cardinal en filature. Et ça, ouais, scindons-nous. Moi, ça me plaît pas, ça me plaît bien de me scinder, s'il vous plaît. Vous avez entendu? Le baron de Valois est mort. Non. Maintenant, Bartolomeo d'Alvia va sûrement s'opposer au pouvoir du pape. La campagne de Cesare est compromise. Est-ce là une mauvaise chose? Peut-être pas. Ok. Nous voulions confier la réalisation. D'aucuns prétendent que le pape est privé de toutes ses ressources. Sous le sérieux. C'était la voix de Portal, ça, non? Si l'argent venait à lui manquer, sa sainteté ferait assassiner un autre cardinal fortuné. C'est indigne. Il y a une voix qui m'a fait penser à une voix de Portal, et en plus, le fait qu'il dit d'aucuns, tout ça. Vraiment, on dirait vraiment que c'était bien la même personne. Ce qui est bien, c'est que les gens ont arrêté de bouger, ils sont tranquilles là. Quand ils se déplaçaient, c'était absolument horrible. En plus, je pensais qu'ils allaient se mettre très loin, donc ça faisait peur, ça donnait envie toujours de tenter d'aller autre part, quoi. Pour tenter de le suivre. Ok, ils se posent pas de questions, hein. Ça va, ça va. Il s'appelle Ezio Auditore. Qui est l'assassin? Oh! Celui qui a tué le banquier. On raconte qu'il est capable de s'introduire à l'intérieur du Vatican sans que personne ne puisse l'arrêter. Alors tout n'est peut-être pas perdu. Le Justement, règne de Cesare oui. va enfin cesser et l'Église retrouvera sa gloire d'antan. Effectivement, je suis infiltré dans le Vatican actuellement. J'écrirai les sermons et je les déposerai à l'intérieur du tombeau. Surtout, tâche de te montrer convaincant et dévoué. Les adeptes obéissent aveuglément à nos ordres, padrone. Tous croient suivre la parole de leur dieu. Bene. As-tu apporté la clé? Oui, padrone. Que le Seigneur soit avec toi. Et avec vous, padrone. Ce serait bien d'arrêter de le répéter 50 fois, hein, vraiment. Vraiment, hein. S'il vous plaît.
je peux aller là-haut Non, c'est pas une bonne idée, hein. On est d'accord, hein. Comment est-ce que je peux le suivre? Ah, je peux passer par là. Mais non. Ah! Oh, l'échec! Ah, pitié que ça m'ait pas fait perdre de temps au final. Je vous en supplie. J'ai pas envie de recommencer 50 fois. Assassino! Tu ne m'attraperas pas! Ah! Vous suivez le cardinal, ouais. J'arrive! Ah, évidemment. Un peu plus du Seigneur. Je m'éloigne un peu plus de toi, assassino! C'est ça. Tac. Excellent. Il y a eu un coffre en bas, on l'a vu, ce sera pour tout à l'heure quand on le fera pas en speedrun. Excellent encore. J'ai jamais voulu faire ça. À l'aide. Très bien. Là c'est de là d'où il vient. Ils ont fait le lore. C'est parti. Vite. Oh non, qu'est-ce qu'il fait, Ezio, sale con! Putain, on a 8 minutes, là! Moins maintenant, mais... Ouais, qu'il fasse gaffe, quand même. Ok, évidemment, il attend, il ferme la fenêtre. Il est pas très pressé, à ce qu'on voit. En fait, s'il a confiance, il se dit... Il va tomber, je vais vraiment... Ça va être bon, quoi. Est-ce que j'ai assez couru? On va pas aller plus loin, quand même. En vrai, je peux comprendre. Quand tu vois l'endroit qu'il est en train de grimper... Je peux comprendre qu'il ait pas trop envie de continuer pour pas prendre de risques, quoi. Ça c'est vrai. Ok. Tac. Excellent. C'est la guerre. Hein. Genre le mec il arrive à escalader ça, mais il est malade. Oh! Première fois qu'on voit un assassin tomber. Que Dieu est de mon côté, assassino! Ouais, c'est ça, ouais. C'est la première fois qu'on voit un assassin tomber comme ça. Quoi? Il est sérieux là? J'ai perdu. J'ai littéralement perdu en fait. Super! Vraiment super! Trop content! On est au max là, hein. On est vraiment au max. Hein. Trop content! C'est. Yes, trop cool. Ok. Non, mais un assassin, c'est un peu comme un chat, quoi, vous voyez. Ah, il y avait un coffre. Un assassin, ça retombe toujours sur ses pattes. Là, c'est la première fois qu'il ne le fait pas. Petite échelle. Petite corde. Très solide, invisiblement. Elle ne bouge même pas d'un poil. Là, je suis pas sûr. Ah oui, il faut juste sauter, ok. Vite. J'espère que j'ai avoir le temps, hein. En fait, le fait d'avoir fait un échec une fois, j'ai peur que ça me casse le temps. Qu'est-ce que tu veux, assassino? Ta mort! Lâche! Les adeptes de Romulus œuvrent tous pour le pape! Évidemment, ce sont des ignorants! Nous seuls détenons la vérité. Leur barbarie convaincra le peuple de suivre la lumière de l'Église. Ah ah. Évidemment. Bonne chance. Pas de problème, mon gars. C'est pas difficile. Regarde-moi ça. Tac. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Paf. Et là, il peut rien faire, hein. Tu ne peux pas m'échapper. Espèce d'imbécile! Comment peux-tu déclarer la guerre au seul instrument qui empêche le peuple de renverser le pouvoir en place? Ton ordre appartient au passé! Mais elle est incroyable cette mission! Attaque-moi! Ah, encore! Vite! Il y a du temps, mon gars! Bam! Oh! Oh le boss! Mais vous savez quoi? Regardez ce que je vais faire. Eh oh, il y a 8 minutes, je vais pas m'embêter. Ils sont malades. Ah bah oui, mon gars, c'est le speedrun, là, on m'a dit j'ai 8 minutes.
je veux bien le fouiller lui, mais je fouille pas le reste. J'espère que j'ai le temps. Vite, 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 vite. Hop. J'aurais peut-être pas dû. En fait, il faut savoir si c'était nul ou pas. C'était nul. C'est une erreur. Ok, là, j'ai l'impression que ça va être un vrai tombeau. Ça va pas être fini. Hein. Oh. Oh non, je vais rater mon speedrun, c'est sûr. Mais dépêche-toi, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, il est trop con. Allez! Allez, là! Putain, mais... Il a de sacrées maladies mentales, celui-là. C'est fini? Oh, c'était fini! Attends, j'ai largement du temps. 1 minute 56, mais j'avais même le temps de tout plier, en fait. Oh non, j'aurais pu le faire en une fois, celui-là. En fait, vu que c'est de l'escalade, c'était sûr, ils ont pris plus de marge pour les gens nuls à chier. J'aurais dû m'en douter, mais je m'en doutais, hein. Mais je voulais pas prendre de risques. Ok, ok, très bien. Bon, bah, c'était trop bien. Meilleure tanière que de base, c'était vraiment mauvais. Là, c'était cool. J'ai trouvé. Quand même, malgré tout. Oh là là, deuxième parchemin. Retourner à Rome. Yes! C'est trop bien, c'était facile, c'était court. Ok. 3200 florins en plus, exceptionnel. Amen, ouais. J'aurais pas pensé. Bon, c'est bien, s'il y a des tanières un peu différentes comme ça. Là, c'était vraiment bien scénarisé. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment bien aimé. Donc maintenant, il faut repasser et fouiller. Faut vérifier comment elle s'appelle, cette tanière, quand même. Justement, leur voilà. Ah. C'est rigolo, ça, hein. Ok, j'ai bien apprécié. ADN. Tanière de Romulus. Quoi, c'est dans le lieu secret, hein, c'est ça. Tanière de Romulus, ouais. Donc, il y a... repère de Templier, je pense. Hein. Tanière de Romulus, repère de Templier. Ah non, bah non. Ah non, ah non, d'accord. Tanière de Romulus, 100%. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, la sixième qui était dans, dans la quête. Du coup, ils la mettent pas là. C'est pas compté dedans. Ah, c'est rigolo, ça, oui. C'est vraiment rigolo. Alors, attendez, parce que du coup, c'était pas ça que je voulais voir en premier. C'était les mémoires additionnelles. Non, c'est pas ça, c'est pas là. C'est dans un truc bonus. Donc c'était... Attendez, je retrouve pas. À l'aide. S'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-moi. Il y avait un menu où... Où on savait le nombre de coffres qu'il y avait. C'était pas là, hein. Base de données, non, bah non. Si, c'était là, hein. ADN. Mémoire additionnelle. Lieu secret. Ah oui, c'est dans les lieux secrets. Ah non, donc on n'a pas les coffres. Donc là, c'était... C'est quoi? Basilique Saint-Pierre, ça. Donc il y a trois drapeaux à avoir. On est d'accord, hein. Trois. Il y en a trois à chaque fois, très bien. Donc ça va pas forcément être facile. Ok, c'est bien, je saurais qu'il y en a trois à chaque fois. C'est parti, donc là il n'y a pas besoin de speedrun. Malgré tout, il faut suivre le mec, hein, donc faut faire attention. Les drapeaux, je vois pas du tout où ils peuvent être pour l'instant. Va falloir vraiment fouiller. S'il faut, il y a des moments où j'avais entendu ce qui avait l'air d'être des coffres, mais c'était peut-être des drapeaux. Hein. Ramener les mémoires en moins de 8 minutes, du coup bah on s'en fout. On s'en fout totalement. Il n'y a pas à faire ça. Là il n'y a rien. Là il n'y a rien. Très bien. J'aime bien cette quête. Hein. Bon, dès qu'il y a des cinématiques qu'on peut skipper, et évidemment je les skipperai. Celle-ci normalement ne se skip pas. Elle est très courte. Amen. Ite missa est. Deo gracias. Deo gracias, bien sûr. Ouais, 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 ouais. Bien sûr, bien sûr. Ça, ouais. J'aime bien parce qu'ils mettent directement la caméra vers la cible. Donc en fait, il n'y a même pas besoin limite de la repérer avec la vision d'aigle, puisque ça me la montre en fait. Ça, c'est plutôt rigolo. Ok. Ok, 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 ok.
Je vais me diriger petit à petit par là-bas. Voilà. Voilà. Je pense que là, je peux y aller d'avance. Hein. Ah, faut se rapprocher de la cible. Ah, faut vraiment être très proche. Ok, donc on peut pas s'avancer, ils ont fait exprès. C'est en défi, loin. C'est la première fois qu'on voit un truc d'anti-éloignement aussi sévère. Hein. C'est la première fois. Hop. Ouais, mon slip me rentre dans mes fesses là. C'est horrible, c'est horrible. Vous imaginez, vous? Ok. Bon, il n'y a pas besoin de se presser, hein, on le sait. Là, ça m'étonne, mais on dirait qu'il n'y a vraiment rien du tout. Ça m'étonne, mais j'aurais bien vu au moins... Au moins un petit drapeau, quoi. Malheureusement. Hein. Oh non! Oh non! La putain de tarasse! Mais... C'était la fin et ça dure 2 heures ce truc en plus, mais putain. Ah, ça me fait reprendre du début. Non. Non, c'est une blague. Oh putain. J'ai recommencé 50 fois tout à l'heure pour le speedrun parce que c'était complètement pété. Et tu vois, c'était un connard, il faisait n'importe quoi. Putain. Amen. Le personnage il est des dingueries tout seul, donc c'était insupportable. Ouais, ta gueule, ouais, c'est bon. Ok, bon, du coup, c'est bien parce que... Quelque part... Voilà. Non, parce que quelque part, je voulais avoir cette vue pour voir si je pouvais voir quelque chose. Visiblement, non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Marche avec eux. Oh, le bug. Mais putain. Mais voilà, c'est ce genre de truc que je vous dis. Mais putain, c'est quoi ce jeu de merde? Ça me fait ça à longueur de temps. Tout le temps, des problèmes. Quoi, ces développeurs incompétents, quoi? Ça me donne une chiasse, mais c'est dingue. Je sens qu'à force de jouer à ce jeu, je vais vraiment me finir un live et avoir la diarrhée, en fait. C'est dingue. Quel jeu de mort! Non, mais c'est confirmé, je préfère le 2. Hein, je préfère le 2. Il y a trop de merde en fait. Il y avait un truc que je trouvais bien avec celui-là, et à la base dans l'histoire et tout ça, et je préférais au 2, mais alors que le 2 il est légendaire, c'était mon préféré à la base. Mais en fait, non, c'est confirmé, je préfère le 2 parce que j'en ai plein le cul de ce jeu de merde. C'est bon, il y a trop de trucs de cons. Hein. Ça pue la merde. En fait, le problème du 2, je trouve, c'est que c'est trop... Le jeu, il... En fait, il n'y a aucun détail, quoi. Juste, il y a un ennemi, tu découvres 2 secondes, tu l'assassines alors que c'est censé être un mec ultra important. Mission d'après, tu retues direct un mec ultra important. Mission d'après, tu retues un mec ultra important. Mission d'après, tu retues un mec ultra important. C'est ultra... Oui... Enfin, c'est pas rempli, quoi. C'est l'avantage. Mais je trouve que ça fait trop... Du coup, ça fait trop... Et je trouvais ça à chier, quoi. Enfin, c'était bien, du coup, parce que c'était intéressant. Enfin, voilà, il n'y avait pas de truc trop nul à chier. Mais j'aurais bien aimé que, sans faire le truc nul à chier, que ce soit plus complet, plus détaillé, que tu remarques mieux, qu'il y ait plus de lore avec les ennemis, les personnages, quoi. Dans le 2. C'est ce que j'aurais bien aimé. Que ce soit un peu plus détaillé, quoi. Mais non, pour l'instant, ouais. Donc on attend de refaire tous les prochains Assassin's Creed qui suivent après celui-là dans l'ordre de date de sortie pour voir si lequel je préfère, hein, vraiment, finalement, mais... Pour l'instant, ça reste le 2, je pense. Du coup, finalement. Hors des DLC du 2. Hein. C'est les DLC du 2, je suis désolé, mais il y a un moment donné... Voilà. Je vais faire comme si que ça n'existait pas parce que ça m'a vraiment saoulé. Non, là, c'est du dégoût, carrément. Je me vomis dans la bouche. Qu'est-ce que c'était chiant, ennuyant. Oh là là. Horrible, horrible. Bon, je crois qu'il n'y avait rien ici. Hein. Les
Donc c'est vraiment un début de mission qui est juste là pour faire chier, quoi. Ça me fait chier. Assassino, tu ne m'attraperas pas. Donc maintenant, ouais. Faut fouiller. Donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est les drapeaux. Les coffres, c'est pas obligatoire. On peut, à la limite, ne pas les prendre. On peut les abandonner. Mais les drapeaux, ça par contre... là, c'est là où on était tout à l'heure. En me rapprochant un peu plus du Seigneur, je m'éloigne un peu plus de toi, assassino. J'ai été trop loin là, non? ça va, il est encore là. C'est bon, c'est bon. C'est chaud parce qu'il s'éloigne vite et ça se désynchronise vite, donc... Bon, les coffres, on a dit que c'était pas intéressant, mais je voilà, je quand même... on récupère ça, surtout que c'est une teinture courte de cardinal, ça rend bien. Allez, mais pourquoi il bouge plus? Il veut pas jouer. Le mec ne veut pas jouer. Allez, allez! Et il fait que des mouvements que je demande pas, là. Putain, mais c'est dingue. Ah, j'en ai marre de ce jeu, là. Ah, il est pourri, ce browser de merde, là. Full bug, full je sais pas quoi. Sans déconner. Et voilà, ça continue. Là, il y a un drapeau. Le truc, c'est que je vois pas du tout comment l'avoir. Ça, c'est vraiment un sacré problème. C'est vraiment un immense problème, en fait. Là, je le vois pas, mais alors, du tout. Parce que là-haut, on n'ira jamais. Donc, et faire ça, ça m'aide pas du tout. Si ? Oh ! Oh, c'est vraiment ça qu'il fallait faire, je me demandais. Oh, ils sont malades. Oh non, ça a déclenché le mec. Ah, mais du coup, il y a un raccourci, on peut aller par là, c'est ça? Ok. Ok, ok, ok. Pas de drapeau ici, visiblement. Pas là-bas. Cette cinématique, elle est trop stylée, avec Ezio qui est en train de monter et tout. Vraiment, ça me plaît bien. J'ai entendu un bruit, hein. C'est dans la musique, je crois. Là, il attend, c'est gentil. Mais quand il attend, on dirait que c'est qu'il y a quelque chose. Ah non, il attend pas trop longtemps, hein. Allez, vas-y, Ezio. Mais putain, mais... Oh, il est débile. Ça va, il attend un peu, on dirait. Non, non, non. Ça va être compliqué, le drapeau. Je suis sûr, j'en loupe un. C'est quand même assez détaillé, là, visuellement. C'est pas facile de tout récupérer, hein. C'est bien, il attend souvent, quand même. Il attend souvent... Ça changerait en fait que je trouve ça bizarre là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de drapeau? Moi j'ai pas l'impression, mon gars. J'entends un bruit. Non mais j'entends souvent des bruits, ça me rend fou. Je suis sûr que je passe à côté de drapeaux des fois. Bon, ça peut pas arriver tant que ça parce qu'il en reste deux. Hein. Ça peut pas être fréquent. Mais y a forcément des moments où je suis vraiment fou, quoi. Mais ouais. Continue comme ça, on attendra. Quoi, j'ai l'impression. Non, je peux pas y aller, hein. En fait, j'avais. Ah non, mais c'est là où on était tout à l'heure, de toute façon. Ok.
t'es pas sûr. Mec, s'il te plaît, respecte-moi. Les adeptes de Romulus œuvrent tous pour le pape. Évidemment, ce sont des ignorants. Nous seuls détenons la vérité. Leur barbarie convaincra le peuple de suivre la lumière de l'église. Deuxième drapeau, donc ça était bien ici, c'était pas un coffre. Ça, ça m'est très très bien. Et là en dessous. Il est où? Il s'arrête là, non? Il va commencer à se redéplacer. Et cette échelle, c'est uniquement si on fait une erreur, non? Oh, il part tellement loin. Oh, ça m'a téléporté. Oh, c'est pratique, hein, mais... Non. Ezio, sale petit con. Ok, les 8 minutes, on s'en fout. Hein. Je le rappelle. On s'en fout totalement. Oh, le drapeau, il est là. Donc c'est à partir de là-haut qu'il peut le trouver, c'est ça? Oh. C'est ça. Je sens que je vais me rater et... Oh non, je le sens pas. Oh non, ça me fait mal d'avance en fait. Normalement c'est censé s'ouvrir, sauf que je sens que le personnage va trop sauter d'une façon un peu excessive. Ça me plaît pas. En fait, ce qui fait que j'ai gagné si facilement tout à l'heure, le temps, il restait quand même pas tant que ça, hein. Mais c'était le fait d'avoir raccourci le combat, hein, avec le pistolet, hein. C'est ça qui m'a fait gagner. Là, on fait le combat normalement, voilà, pour voir ce que ça fait. En fait, je suis censé faire plus mal que ça, mais j'ai l'arme de tout début du jeu. J'ai pas changé, c'est l'arme de base, hein. Donc forcément, sinon je suis censé les défoncer, là. Tout le monde. Je suis censé faire 4-5 fois plus mal, quoi. Donc bon. Oui, bah non, pas trop, non. Pas trop, calmons-nous. Bah, je suis content, hein, si j'ai eu tous les... Il faut juste espérer que c'était pas scripté, le fait de sauter. Je crois pas. Je crois que c'est moi, vraiment, qui l'ai fait. Comme ça, en fait, faut que je me laisse tomber sur la poutre d'en dessous, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Donc ce coffre, je l'avais pas pris. Là, faut espérer. Hein. Je l'ai eu, mais là, on a un sacré problème, là. Je crois pas que je suis censé être là, en fait. À l'aide, je peux remonter? Ah, ils ont tout prévu. Ah, les boss. C'est bizarre, hein, qu'ils aient pensé à ça. Moi, vraiment, ça m'étonne, carrément. Mais yes! Yes! Ok, on a tout eu. Je le sentais pas. J'ai vraiment l'impression d'avoir pas assez de drapeaux. Ah, mais on a eu les 3, c'est bon. Bah du coup, c'est rigolo, on va pouvoir voir ce que ça fait que de revenir une autre fois. Est-ce que ça va faire respawn les coffres trop cool? Ou même pas? Non, il reste ouvert. Ah, ok. C'est malin. Je vois que les développeurs ont travaillé sur ce qui les arrange bien, mais sur ce qui les arrange pas, par contre, là. Hein? Imaginez, ça aurait fait un bug. Ça me redonne... Ah, ça me donne une troisième clé. Non. Je pense qu'elle a un name tag. Ils savent que c'est la 2. Je sais pas. En tout cas, 50%, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. On a déjà le 100, c'est ça qu'a compté, normalement. Normalement, c'est sûr. Ah, quelle sauce, vraiment. Hein. Quelle méga sauce. Méga giga sauce. Parfait. Ça fait plaisir. Suivant. Prochaine tanière. Bon. On peut aller là. Hein. Du coup, je pense que l'idée serait de se téléporter quand même. Surtout qu'en chemin, il n'y a rien à acheter, hein. J'ai à peu près tout acheté.
Est-ce que ça m'arrangerait pas de un peu quand même nettoyer ma map, non? Je sais pas. On peut pas dégager des trucs. En train de me dire que peut-être pas, quoi. Non, en fait, on peut rien... Non, on est obligé de tout laisser. Ça fait beaucoup de marqueurs, mais bon. Ouais, ok. Non, mais ça paraît beaucoup, mais en vrai, chaque truc est vraiment important à voir, donc... c'est vraiment un peu maudit, quoi. Allez, on y va! En vrai, les drapeaux, ce qui est cool, c'est qu'on en a récupéré beaucoup, et naturellement. Bientôt la moitié, hein, presque, je crois. Alors on a dépassé, j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé. C'est très bien, parce que du coup, on fera la VOD de collectible. On ira récupérer tous les trucs qu'on n'a pas récupérés. Ça va faire gagner du temps. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a une map. Il y a des cartes de trésors qu'on peut acheter. Oh, quel plaisir, ça. Quel plaisir, vraiment. J'ai l'impression d'avoir entendu briller, mais bon, je sais pas. Hop, double! Ça, c'est important, il faut les faire, les doubles. Hein. Ça fait partie d'un défi aussi. Et surtout, bah, ces gardes, il faut les annihiler. C'est un défi aussi, il faut en annihiler 25, donc voilà, autant le faire dès qu'on peut. Combien ils ont de trucs sur eux, déjà? 84, ah ouais, et les balles. Ok, on se rend flou. Tac, là, c'était la dernière balle, et là, je crois que c'est bon. Si des fois, je vous le dis, si des fois vous voyez que, entre deux VOD, comme ça, je gagne un peu d'argent, 1000 et quelques, des petits trucs comme ça, n'ayez pas peur, c'est que hors VOD, ça peut m'arriver bah, d'aller... Bah, il y a un voleur qui passe, bon, bah, je lui pète la gueule, quoi, oui. De non plus, j'ai pas... voilà, j'ai pas relancé un truc en VOD juste parce que je bouscule un voleur. Bon, voilà, c'est... Voilà. Mais sachez que vous ne ratez rien. Tout ce qui est à voir dans le jeu, chaque collectif, chaque petit truc nul, un drapeau, un truc, hein, vous voyez tout. Voilà, c'est forcément quelque part dans une vidéo. Voilà. Le seul truc où vous avez l'impression qu'il se passe des choses, vous n'avez pas vu, vous inquiétez pas, c'est vraiment nul. Soit j'ai fouillé un cadavre en plus, soit à force de recommencer une mission, bah... j'ai fouillé un truc en plus, ou je sais pas quoi, mais un truc nul, on s'en fout, quoi, ça compte pas. Vous voyez, ça compte pas dans le 100%, c'est des trucs nuls. Donc voilà, ça m'est arrivé hein, déjà de bousculer 3, 4, 5 voleurs, je pense, hors VOD. Parce que bah, je sais pas, je suis en train de préparer pour lancer la VOD et le mec passe, bam! C'est assez. Voilà, c'est dans des conditions où bah, j'ai pas envie d'embêter une VOD avec ça, quoi. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors j'aurais voulu me téléporter à la base. Mais je vois que c'est légèrement un échec en fait. Donc ce qu'on va faire, attendez, regardez, c'est pas mal. Ça va être de... Ah bah tiens, un voleur, on en parlait. Oh, il va vite. Oh, what? J'espère qu'il parle pas de moi, hein. C'est pas moi qui en... Moi, je suis en train de le pourchasser. Hein. Je suis en train de pourchasser un mec en cire. Ok. Allez. J'aimerais absolument m'occuper de mes assassins. Il y a bientôt quelqu'un qui va pouvoir devenir éventuellement maître assassin quasiment. Ah, c'est que c'est un mec qui m'avait volé de l'argent. Oh, je savais pas. Oh, c'est dingue. Okay, ils m'ont déjà perdu. Excellent. Mais écoutez, il se passe des trucs dingues des fois. Ok, combien? Oh là là, oh, tous les niveaux, elle est en une mission, elle a gagné. Tous ces niveaux là. Oh, j'adore, le concept est vraiment pas mal. J'apprécie ce qu'on est en train de me dire. Là, on a quasi fait tous les... Vous voyez Je crois qu'on a fait toutes les quêtes spéciales hein, du jeu. Hein. Il y en a plus. Hein. J'ai fait toutes les quêtes spéciales du jeu, il y en a plus. C'est véridique. Oh, waouh. C'est cool. Hein. Elle ne suffira pas à elle seule, malheureusement. Mais avec deux assassins... plus elle, c'est pile poil bon, et elle se prend quand même 800 et quelques. Je pense que c'est raisonnable. Je pense que c'est raisonnable. Là, c'est une quête qui donne pas beaucoup d'XP, mais qui donne des florins, c'est ce que je veux. Moi, l'XP, je veux le garder pour quand il faudra upper des personnages. Et pour l'instant, voilà, ça se fait seul en plus. C'est absolument merveilleux.
Oui, des petites missions qui donnent au moins 1000 florins, c'est bien, on a besoin de... L'argent, ça se fait rare quand même. Je vais peut-être en avoir besoin pour les monuments, donc... Donc c'est cool. Ça fait plein de 1000, mine de rien, c'est vraiment bien. À 1300... Pas du tout d'XP, c'est ce qu'il nous faut, hein, c'est ça. Très bien, très très bien. Oui, la 500, en vrai, ouais, c'est pas ouf. Donc je vais, pareil, hein, j'envoie. Voilà, tout le monde est en mission, 500 missions différentes en même temps. Donc c'est incroyable. Du coup, je sais pas si ça va me donner... non, on est d'accord. Ah ouais, ça va m'indiquer après toutes les missions que j'aurais fait. Ça va être ouf, hein. Ça va faire un certain nombre, mine de rien. Ok, banque. Ouais, l'argent, ça monte. Ça monte suffisamment bien assez récemment. Le problème, c'est que le stuff dans les forgerons, ça va me faire peur, ça va coûter très cher. C'est ça qui fait que j'ai l'impression que j'aurais pas assez d'argent. Après, sinon, pour acheter tout ce qu'il y a à acheter dans le jeu, bâtiments de faction, échoppe, les monuments, je pense que c'est bon. D'ici à ce que je le fasse, c'est bon. À mon avis, parce que là, imaginons que la moyenne des monuments, c'est 30 000. Bah là je peux acheter 10 monuments, ça fait quand même une sacrée avancée. Il en reste plus que 10 hein, effectivement je pense. Quoique. Ah non, quoique non hein. Non. Là, je pense que je peux acheter tous les monuments, toutes les échoppes avec ça. Bon certes pas les équipements du coup chez le forgeron, effectivement, ni les tableaux, ni bon voilà. Tous les trucs de marchands. Mais Et quand même, et puis de toute façon il reste tellement de choses à faire pour le 100%, des choses quand même. Les missions de guide, c'est encore des trentaines de missions, hein, au total. Ouais, 32 missions, je crois. Enfin, voilà, il y a des trucs, c'est quand même assez nombreux. Hein. Donc ouais. Ouais. Ça embête, ce serait moi, j'irais tout de suite aller utiliser mon argent. En plus, du coup, ça fait que dans les banques, ça va évoluer encore plus vite et tout ça, mais... Le truc c'est que là, bah, vu comment je fais pour les voter pour que ce soit tout propre, bah, on n'a pas l'occasion de s'occuper de ça en fait. Donc, parce que ça, il faudrait le faire dans la vidéo des collectibles en fait. Et la vidéo des collectibles, le problème c'est que c'est la dernière. donc ouais, c'est... Ça optimise pas l'argent du coup dans ce jeu, on peut pas, mais c'est les développeurs, ils ont fait ça comme ça, et vu que je veux tout quadriller, pas le choix. Hein. C'est pas optimisé, mais c'est pas de ma faute quoi. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Sinon, dès que j'aurai le moindre argent, moi, j'irai investir. Hein. Ah bah, vous en doutez quand même. Hein. Investissement direct. Hein. Bon, c'est bien. Deux nouveaux coffres en collectible. Ça fera ça de moins dans la fameuse VOD. Où il faudra acheter tout ça. Je vois qu'il y a un truc très profond, c'est très inquiétant. D'ailleurs, c'est là qu'il faut aller. Hein. Ouais. Bah, donc... What? Qu'est-ce que c'est que ça va de fou? Ah, ça va encore être du temps, malheureusement. Après, sous un malentendu, là, c'est une filature, donc effectivement, ils ont mis du temps. Bon, c'est logique, ça se tient. Mais en vrai, à tout moment, on n'a plus du tout d'objectif de 100% de temps hein, sur les tanières. Hein. Moi, j'y crois. Moi, j'ai ce qu'on appelle l'espoir. Mais pourquoi? En fait, ça servait à quoi d'aller là où j'ai été? Là c'est... Attendez, parce que je me rends compte que j'ai fait ça pour rien là. Donc c'est vraiment plus bas, hein. Ils le disent. Hein. C'est plus bas. Mais non mais c'était à la hauteur, je suis bête. C'était à la hauteur, il était en... Il faut rentrer par une tente. 4 mètres... C'est juste en dessous, mais c'est... Mais à rien près, quoi. Comment ça peut être aussi juste en dessous, collé? Mais... Oh, une plume! Oh, c'est si rare. Waouh. Ah, c'est là? Ah... Comment on peut y aller, ça, concrètement? C'est impossible.
What? On peut grimper, vous pensez, avec... partir d'en bas, là? J'y crois pas une seule seconde, hein. Ça se grimpe jamais, ça. Ah oui, dans aucun monde. Et ça, ça se grimpe avec... non, même pas. Alors qu'en plus, oui, justement, c'est... c'est un peu ébouriffé, quoi. En fait, faut sauter quoi, en diagonale, peut-être? Non, 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 c'est impossible. Mais what? Mais ils sont sérieux, là? Non, j'ai jamais voulu faire ça, mais Ezio, mais... Oh, putain, il arrêtera jamais d'être con, mais s'il te plaît... Sois un homme d'honneur, arrête d'être une merde. Déglinguer les lombaires là. La couette, elle appuie mal dans mon dos, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment c'est possible, ça m'a jamais fait ça. Ma mère, je peux même pas sauter en diagonale, c'est... Là, on s'en sort pas comme ça. Et ça, c'est pour sortir, attendez. Ça, c'est sûr, c'est pour sortir. Il y a on peut forcément rentrer par un autre endroit. C'est quand on sortira, c'est sûr. Nous sommes en guerre. Malheureusement, ils sont trop occupés. What? Ah oui, c'est une mission, d'accord. Ok. Je trouve ça bizarre, quand même. Un truc secret, comme ça. Je trouve ça dingue ce qu'on raconte. C'est où? Là, on peut s'accrocher nulle part. Je deviens malade. Comment on fait? J'aimerais descendre à cette échelle quand il arrêtera d'être con. On va essayer d'observer le décor. Non, faut vraiment arriver par là et on ressortira aussi par là. Je suis en train de dire que peut-être utiliser le parachute, mais je sais pas comment on s'en sert en fait. À l'aide. Il y a les commandes ou pas? Il y a évidemment les commandes, mais on va pas me parler de... On va pas me parler de parachute, en fait, c'est ça le problème. Comment on se sert du parachute? Comment il se déclenche? Ça. C'est flèche du haut une fois qu'on est en l'air? Non, bah non, ça change le truc en l'air. Heureusement, sinon ce serait compliqué au niveau de maniement, ouais. Petit cut la VOD, je vais devenir malade. A tout de suite. faut se renseigner. C'était pas possible. Eh bien, re la VOD, je vais extrêmement apprécier ce qui va se passer. Vous peut-être pas. Non, je rigole. Je vais vous expliquer très rapidement ce qu'il faut faire hein, pour faire tout ceci. Alors c'est très simple. On va faire des tours et on va rénover l'aqueduc en entier. Voilà. Donc c'était pas prévu, mais ça fait partie de ce qu'il faut faire pour.
pour accéder à cette tanière, donc vous allez comprendre pourquoi, évidemment, incessamment sous peu, c'est-à-dire quand on aura tout fait et qu'on reviendra ici. Vous allez voir, c'est quand même assez... honnêtement, je trouve ça fort. Je trouve ça fort, c'est bien joué de la part des développeurs, j'aime bien. Mais c'est quand même... C'est quand même de la filouterie, quoi. Voilà, ça me... Je sais pas trop quoi en penser, quoi. Non, en vrai... En vrai, c'est du GG, hein. Tout simplement, hein. Moi, j'aime bien. C'est le genre de détail qui fait plaisir. Ou en plus, tu veux faire... En fait, ça te force à faire un peu plus de 100%. Mais assez naturellement, quoi. Vraiment, j'apprécie. Et ici, on dirait qu'il y a un bâtiment de faction qu'on peut faire qui n'a pas été fait. Donc je vais me délecter à le faire. Hein. Les trucs qui sont pas faits, ça va. Au passage, là, ça passe. Hein. Donc ici, je crois qu'on est dans le royaume de mercenaires. C'est difficile de le savoir, mais oui, on est bien dans l'endroit de mercenaires. Tac, mercenaires. Voilà. Ça me met un petit point en plus sur la base, parce que c'est vrai que j'ai un bug où il n'y a pas le point de la faction de mercenaires. Je ne sais pas pourquoi. Il est censé avoir un point. Donc, ouais. C'est un peu maudit. Bon, bah super. Let's go. Ah bah ici, regardez, il y a un petit... Justement, il y a l'aqueduc, l'eau s'arrêtait ici, donc s'il faut juste de construire ça, ça va suffire, mais non, je crois qu'il faut tous les... reconstruire. Très bien. Là, je vois qu'il y aura plein de choses à rénover, c'est excellent, c'est tout ce que je pouvais rêver. Ici, on s'en souvient hein, comment se baladait le mec, puisqu'on l'avait déjà vu à partir d'un camp. Je pense qu'il est forcément du côté du camp. On fait tout le tour, on va vite avoir la réponse. Tac, 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 tac. Quelle bande de petits filous. Oh là, oh là, oh là. Bon, il est où le chef, là? Il est là. Oh, faut pas qu'il fuit, hein. Ça va, il fuit pas. C'est un malade. S'il faut, c'est un guerrier. Ouais, c'est un guerrier, hein. C'est bien ce que je me rappelais. Voilà. Que se passe-t-il hein? Et il fuit bel et bien pas. Hein. Bam! Allez, ça part. Ok. On n'a pas eu de chance. On a vraiment pas de chance, hein. Même sur les comptes, ça fonctionne pas très bien. Bam! Bam! Bim! Parfait, ça le vise lui. Hop! Il est pas mort, je crois. Il va peut-être fuir, du coup, vu qu'il est plus sur le cheval. Je pense pas, non, il remonte dessus, évidemment. Oh là là! À quel point il le pourchasse? Non, il va sortir de la zone! Non, normalement, ça compte pas, je pense, mais... Ah, oh, c'était nul, hein, le bug. Vous avez vu le bug? Oh, j'adore. Ah, ça, c'était vraiment sympa. Ok. Donc, c'était bien ce camp, ouais, qui était à côté du camp des Français. On s'en souvient. Oh, j'ai adoré comment il est mort. C'était magnifique. Aïe, aïe, aïe. Ah, je voulais pas tomber comme ça, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme si que... Mais sale non plus. Non, mais vraiment, Ezio, sale, petit con. Fais des efforts, en fait. C'est pas difficile. Ok, il y a un drapeau. Ce serait bien d'aller le chercher au passage. Tac. Parfait. Oh, le boss, comment j'ai escaladé le truc. Ça me permet de monter? Non. Oh non! Oh, c'est quoi ce bug? Ce jeu me casse des couilles, mais putain, mais quand est-ce qu'on me laissera tranquille, là? Putain, je vais juste jouer tranquille à escalader ce bâtiment de merde, laissez-moi grimper! Mais ouais, du coup, le mec n'est pas mort, il va falloir le retuer. C'est bien, on va dire qu'on va être content, parce que ça nous a permis de trouver un coffre qu'on n'avait pas trouvé. On va dire que c'est ça, hein. Putain... Normalement, le capitaine, il est par là. Hein.
arrive par là normalement. Ok. Je l'ai trouvé, là-bas. Ok, même point de TP ici hein. Ça a pas tiré. On en parle, là. Ça a changé de cible. Sors l'épée, putain. C'est full buggé. J'ai des bugs de malade. Mais ça en est marre. On va me tirer dessus et tout. Ok, le mec. Ah, c'est le cheval qui l'a tué. Et tout à l'heure, c'était pareil, du coup. C'est le cheval, en fait, il lui met un coup. En fait, c'est que le mec, le cheval n'aime même pas son propriétaire, du coup. Oh, le lord de malade. Ah, c'est rigolo. Non, mais... J'en peux plus, j'en peux plus. Allez, dis à moi. Tu vas me dire ce qui t'a donné le jour. Le mec aime ma maman, en fait. c'est ce qu'il a dit, hein. Okay. Très bien, par là ils m'embêteront pas. C'est un peu n'importe quoi là. Pour monter là-haut, c'est un peu ouais, sur ce coup là. C'est bizarre cette tour, très bizarre. Voilà. Bon bah c'est bien, hein, moi qui avais hâte de pouvoir investir, bah du coup grâce au fait d'être obligé d'aller chercher l'aqueduc. Bah ça permet de. D'acheter des millions de choses là. C'est ce que je voulais donc c'est parfait. Hein. Encore un coffre. Ah, les collectifs ça avance super bien. Il y a des millions de choses à acheter, c'est trop cool. Ah oui, oui, oui. Magnifique, alors du coup maintenant, on va pouvoir avoir un nouvel assassin également. On voit qu'il y a quelqu'un à sauver, j'espère que c'est une femme. Si c'est le cas, je sauve, sinon je ne sauve pas. Vous connaissez hein, maintenant. Il n'est pas de souffrance que je ne puisse apaiser. Mmh. Permets-moi d'en douter en fait. Oh c'est bien, oh, ça avance là. En plus ça me fait gagner beaucoup de pourcentage hein. J'en ai besoin pour faire les missions de Christina. Je vais finalement ne pas mettre après les DLC je pense. Je vais vraiment tout mettre dans l'ordre en fait que je fais hein. Je pense. Oui, oui, oui! C'est délicieux. J'adore les endroits où il y a 1000 trucs à acheter côte à côte. C'est très satisfaisant de voir ça. Ici, nous faisons du prêt-à-porter. À Milan, ils font du prêt-à-rapporter. J'aime beaucoup ce truc de rat porté. Une femme. Super. Je peux pas attaquer. Il se passe des dingueries. Voilà, aide là, mec. C'est bien. Ah, oh, merci à lui, bordel. Ok, le mec parle de ça, de la femme du mec. Les dialogues de ce jeu sont dingues. J'aime beaucoup la phrase là du. Fait du prêt-à-porter et eux ils font du rat à porter. Enfin, je sais plus ce que c'était là. Trop bien. Bonjour femme. La libération de Rome a commencé. Grazie. Il s'en est fallu de peu. Vous ne voudriez pas m'apprendre à combattre cette vermine? J'aimerais bien.
J'aimerais bien que tu m'apprennes aussi à comprendre pourquoi vous avez toutes la même voix. En fait, je... Cette information m'intéresse. Hein. Je peux vous proposer un grand choix d'épée. du moins quand j'aurai récupéré celle que j'ai expliquée. Ok. Oh, deux aqueducs. Eh. Hey. Ah, peut-être qu'il y a des gens qui ont été aigris, qui ont dit ouais, c'est chiant, regardez, il est en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la mission, avec les tanières. Il y a, et ça m'a débloqué deux aqueducs. Ah, incroyable. Vraiment. Là, c'est vraiment magnifique. Là, mes assassins, je vais pouvoir les envoyer en mission. Il y a une nouvelle recrue en plus. Qui va pouvoir s'XP également. Ah ouais, j'ai deux blondes maintenant. Emiliana. Non, Béatrice est toujours la meilleure. Regardez comment elle est magnifique. J'ai combien de femmes pour combien d'hommes là? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 1, 2, 3, 4. Ça va bientôt se balancer là. Elle d'abord, hein, non. Oh là, ça. Oh non, oula, elle a des petits problèmes. On peut m'expliquer pourquoi c'est que 1. Elle va aller beaucoup plus, hein. Elle va aller. Mais. C'est bizarre. C'est parce que c'est une mission un peu plus. Un peu plus culottée, là, je trouve. Je sais pas quoi en dire. Vraiment, je sais pas. Ok, il y a un peu le même genre de quête un peu partout. Il y a plein d'endroits, il y a des quêtes un peu nulles, mais... Londres, ouais. Bon, à rien près. C'est dommage, ça divise vraiment l'XP, mais bon, allez, pour les prochaines fois, elle pourra, donc... C'est dommage, mais c'est pas grave. Ici, tac, tac, tac. Ah bah non, non, non. Il me faudrait les quêtes d'XP, mais qui rapportent que de l'XP. Non, que de l'argent, pardon. Quelle erreur. Par exemple, ça. Hop, il y va seul. L'argent. J'essaie de rattraper un peu l'argent qu'on m'a volé avec la non-optimisation malheureuse. Je m'impose la façon dont t'es fait le jeu. Ça fait mal. Hein. Tac, allez vous amuser les gars. Et là il y a deux aqueducs à améliorer, ça va encore apporter plein de florins également. Je crois que ça donne pas tant que ça les aqueducs, mais c'est quand même bien. Ok, toujours le même prix à peu près. Hein. Ah si, regardez, ils ont dit que c'était accessible, faut pas tout construire en fait. Donc vous voyez, on n'a pas eu besoin de tout construire. C'est malheureux, je pensais qu'on allait pouvoir plus avancer là-dessus, mais du coup non. On va au moins du coup aller faire ça. Mais ouais, je vais pouvoir y aller maintenant. En fait, ah oui, c'est pas tous les aqueducs qu'on a besoin. Celui-là, il est vraiment, c'est que lui. En fait, il y a plusieurs aqueducs, du coup, il y a plusieurs sources d'eau. Là, cet aqueduc-là, c'est une source, qui d'ailleurs est complet, il n'est pas réparé. Et là, c'est une source, par là. Il y a trois aqueducs différents, je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul. Donc on va juste aller réparer celui-là là-bas, et puis, voilà. Mais ça m'étonne, attendez. Comment il peut être disponible? Sachant qu'ici, il est fermé. Il y a un gros problème là, on m'a menti. Hein. Je sens que je vais y aller, et ça va pas être bon. Non. Moi en fait, on m'a dit qu'il fallait tous les acheter, mais... Enfin, on m'a dit, ouais, c'est ce que j'ai vu, mais... C'est ce que les gens disent et tout ça, mais je pense qu'ils mentent. Ils mentent assurément. Ah, c'est qu'il s'arrête ici, c'est pour ça que ça n'a pas d'intérêt. Ok, lui, il s'arrête là. C'est pas le même encore? Moi, je suis totalement satisfait. Je comprends pas. C'est... Quartier Campania entièrement rénové. Mais non!
Campagne à 100%. Oh, le truc des mercenaires. Ici, on est à 100% aussi. Il reste que ici 32%. Il n'y a que le quartier des voleurs qui est pas... Sinon, j'ai tout fait. Oh, incroyable. En fait, le problème, et c'est ce qui fait que le quartier des voleurs n'est pas développé, c'est que le jeu nous y emmène pas, en fait. On n'y va jamais. Ni pour des quêtes secondaires, rien. Ce qui est bien, c'est qu'ici, à la terre de Romulus, alors ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'aille là et faire ça. Les deux points d'intérêt avant d'y aller. Ce serait vraiment pas mal. Bon bah, plus qu'à prier, hein. Vous voulez prier avec moi? Que ce soit pas un truc de temps. S'il vous plaît. À la limite, je préférais un truc que ne pas se faire repérer, quoi. Mais un truc de temps, c'est vrai que c'est vraiment embêtant, quand même. Après, je pense qu'on va pas faire le speedrun en premier. Je pense qu'on va d'abord fouiller. Fouille en premier, puis speedrun après. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça me paraît plutôt pas mal. Hein. J'entends le bruit de l'eau, donc ouais, l'eau assez cool là maintenant. Ce qui n'était pas le cas avant. Ouais, voilà, assez cool. Yes! Donc regardez, hein, regardez la révélation de malade. Regardez comment c'est trop cool, hein, comment c'est trop bien fait. T'as vu, il y a de l'eau. Ça remplit l'endroit d'eau. C'est du génie. Hein. Qu'est-ce que j'adore. Hein. C'est incroyable. J'adore. Je trouve ça trop cool comme comme features. Oh là, je m'étouffe. Ouais, c'est vraiment une features vraiment bonne. Hein. Ça force un peu à faire le 100%, mais de façon assez... Ah, c'est cool, avec plus d'intérêt, quoi. Déjà que moi, j'en ai beaucoup pour le 100%. Là, c'est encore plus. Et du 100% qui fait du 100% qui fait du 100%. Le problème avec ça, c'est que si tu veux te lancer dans un truc et faire que ça, bah, des fois, tu vas devoir un peu varier parce qu'il y a plein de trucs. Enfin, c'est un peu chiant. Ne perdez pas plus de 10 carrés de santé. Ouais, ouais. J'ai un problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, j'ai le droit de perdre qu'un carré. Bah ouais, j'ai pas d'armure, hein. C'est pas de chance. Pour les quêtes comme ça, il faut vraiment une armure, quoi. De nombreuses recrues ont rallié notre cause. Il me suffit de prononcer le nom de Romulus pour qu'ils obéissent. Bene, nos prophéties les ont convaincus, comme prévu. Ensemble, nous créerons une nouvelle harmonie religieuse. C'est les mêmes mecs encore. Assassino ! Rameutez vos adeptes ! C'est encore les mêmes mecs. Ok. On est vu dans la basilique, là. Non, j'ai pas besoin de faire de pause, mon gars. Non, mais du coup, bah, c'est bien parce qu'on n'aura pas besoin de le faire deux fois. Voilà, il n'y a pas de speedrun. Et tout est bon, quoi. Voilà, non, ils ont des couteaux. C'est la première fois que je les affronte. Non, c'est pas la première fois, mais... Là, c'était dangereux. Hein. C'était extrêmement dangereux. Oh, le coup des couteaux, ça va me poser des problèmes, ça. Je vous le dis, hein. Arrêtez-le! Ok, pour l'instant ça va. Ils bombardent pas trop avec les couteaux. C'est de la chance. Rien à récupérer pour l'instant non plus. Ah, c'est pas cool, là, ils ont mis vraiment. Hein. Nous devons tuer l'assassin! Romulus nous l'ordonne! Yes! Et il y a un petit drapeau en plus. Faut pas trop qu'il fuit, comme ça je ferais. En fait, faut absolument que j'ai le temps d'aller. Aller chercher, quoi. Il ne doit pas prendre avantage. Sacrifiez-le à Romulus. Et bam. Verser son sang. C'est ça. C'est bien que je puisse me permettre de prendre des coups. C'est une chance. C'est déjà, il y a le défi, hein, de pas se faire toucher carrément des fois. Mais le truc, c'est que j'ai pas le droit de perdre un seul carré. J'en perds un, c'est perdu. Enfin, si, j'ai le droit d'en perdre un. Mais pas plus, quoi. On me demande de rapprocher de la cible, c'est pas cool, parce que j'aurais peut-être pas le temps de récupérer les choses. J'ai récupéré ça, mais c'est vrai que c'est le drapeau en priorité, c'est un peu bête. Je sais pas comment je peux faire. Du moment qu'il bouge pas, c'est bon. Hein. En fait, cette forte chance qu'il se mette à bouger à un moment donné, on connaît, hein. Notamment
en commençant à escalader ça, mais c'est censé être bien fait, donc il devrait pas y avoir de problème. Évidemment, ils y ont pensé. Hein. Ok, 1 sur 3. 1 sur 3, je suis content. Ce qui veut dire qu'on est peut-être à un tiers de la mission. Hein. Ça veut rien dire, hein, vraiment, mais... Oula, 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 oula. Oula, non, les couteaux, non. Non. Ah, ils m'ont abîmé l'armure en plus. Oh, non. Non, non. Il est fait, ce salaud. Ah, c'est tellement pas cool. Oh, l'arnaque, non. C'est une chance qu'il soit tombé dans l'eau. Je trouve ça cool, hein. Ok, c'est pas mal, mais le jeu fait n'importe quoi. Et dessus, arrête d'être con, arrête d'aller dans l'eau, là. Très bien. Si c'est à chaque arène qu'on a des drapeaux... Ah, ça va commencer à être chaud. Attends-moi. J'ai bien aimé que dans l'arène, il m'ait pas balancé, hein. Chacun pour soi. Ah ouais, il a bloqué son pote, donc là on va... Ok, un boss en moins, c'est ça, dans l'idée. Sans autres ennemis, ce serait bien, il y a un drapeau. C'est lui qui fuit maintenant. Ok, il y a, ça va, c'est plus de la filature, je crois. Oh non. Je l'ai trouvé, là-bas. Ok, je fais pas exprès de me mettre dans l'angle, comme ça, je suis derrière, il jette pas de couteau. Voilà. L'autre est mort, on dirait 6 ans après, c'est rigolo. Tant qu'il n'y a plus de filature, on est tranquille, on n'est pas pressé, donc normalement on peut se protéger. C'est dommage que l'armure est cassée, hein. Ça me rajoute énormément de difficultés, hein. C'est sûr qu'il y a un drapeau ici, d'ailleurs, aussi, au fait. Il y en a un là-haut. Et aller à partir de là. Comment on grimpe là? Où est-ce qu'on peut? À partir d'ici, par exemple? Non, mais va pas là, mais... Qu'est-ce qu'il est bête? On peut pas, là. À partir de là. Ok, c'est à partir de là. Faut d'abord monter par ici. C'est sûr, ça, on pourrait y aller. Ouais, il y a des ennemis qui nous attendent, donc clairement, on peut y aller. Hein. C'est la suite, même, non? Ça, venez là, comme ça, vous me balancez pas de couteau, là. Nickel. Tout ça pour le drapeau, quand même, hein. Regardez ça, hein. Ah non, c'est pas un drapeau? Oh là là! Hein? Oh là là! Ah oui, c'est tout ça là, là c'est pour le drapeau. Plein d'ennemis. C'est très mauvais signe pour. Ils savent, ils savent. C'est le cap, on dirait. Oh, il a mis 6 ans à sortir les pays, il m'a fait tellement peur. Oh! Si je tombe de trop haut, le truc c'est que je perds des carrés et c'est perdu quoi. Là, arrêtez-le! Le voilà, là-bas! Ils font les dingues, ils font les dingues. Méga stress! Maximus stress.
crois qu'ils sont pas tous venus quand même. Donc il en reste peut-être encore. Moi j'y crois malheureusement. Ah il en reste. Évidemment tout au bout histoire qu'il jette plein de couteaux. Le pistolet j'ai tiré quand même beaucoup de balles. Non ça va, il reste 8 balles. Donc c'est bon. Oh là là, c'est illisible hein, quand ils m'attaquent tous en même temps. Très bien. Un coup, c'est la mort. Un coup, c'est perdu. Ça fait peur. Et je recommencerai tout. Donc évidemment, je ferai un cut pour la VOD, mais moi, j'ai vraiment pas envie de tout recommencer en fait. Hein. Soyons honnêtes, je veux pas recommencer en fait. Ok, donc ça, c'est l'arène numéro 2. Il y avait le drapeau. De ma gueule, hein. Et tu as mis une heure à. J'ai galéré à avancer. Le jeu est assez bien fait, il y a quand même les reflets de l'eau sur le. Sur la surface. Je connais cette tanière par cœur. Renonce. Quoi? Qu'est-ce qu'il est? Là-bas, suivez les autres, vite. Oh, j'avais contré. Là-bas, abattez ce chien. Non. Danardon, il va s'en faire. Rattrapez-le. Là, arrêtez-le. C'est perdu. Mais non. Oh, je préfère faire ça. Oh, c'est impossible de pas perdre les 10 de vie. Je suis sûr que ça va me faire tout recommencer. Je vois qu'ils font pas mal en tout cas. Des mecs assez vraiment primitifs. Donc si vraiment je vois que je me prends un deuxième coup très très vite, il faut direct... se soigner quoi. En fait, même avec un demi-carré. Mais je pense qu'on peut pas se soigner quand c'est un demi-carré en moins. Quelle malchance l'armure en moins. Un carré en plus c'était vraiment pile poil ce qu'il fallait. Hein. Un carré en plus, c'était nickel hein, pour survivre. Juste un, quoi. Avoir 11 de vie. C'était propre. Là... Là, c'est quand même chaud. Hein. En fait, le problème en fait, que j'ai eu, c'est que le compte n'a pas fonctionné. Le compte aurait fonctionné. Tout ça serait bien passé, quoi. Quoi? Non, mais c'est sérieux, là, ce bombardage? Je peux toujours tenter quand même d'y aller, mais ils vont me bombarder là. Non. Non, ça va. Les autres, ils sont où? Ils sont tombés dans l'eau? Oh la chance, ils sont trop bêtes. Je fouille hein, pour voir s'il y a des drapeaux, mais... Le truc, c'est que normalement, on sait que ce sera dans une troisième zone. Hein. Ok, je me suis approché assez vite, c'est bien. Tac. C'est dingue de se dire que pour être en sécurité, il faut vraiment se rapprocher méga vite des ennemis. Au lieu d'essayer de rester un peu à distance, le temps de les voir venir, quoi. Et... Oh. Ça fait peur. Oh yeah. Ça fait peur. Bon, c'est la dernière arène, hein, mais là, tout le monde, il bombarde de couteaux, c'est malade manteau. Ça m'inquiète très clairement. Ou alors, après, s'il y a peut-être que le boss tout seul parce que j'ai annihilé tous ses amis. Pitié, hein. Non, j'y crois pas une seule seconde. Hein. Oh non. Me faites pas recommencer, j'en supplie. Ton ouais. Heure est venue, assassin. Il va m'en envoyer plein. Oh là là. De tous les côtés, donc les mecs vont vraiment assurément me balancer des couteaux, quoi. Apaisez Romulus. Tuez-le. Faut que je mette dans un angle. Un angle. Là. Oh là, oh là. Non, non. Ah. Ok, faut rester vraiment entouré d'ennemis comme ça. Et j'ai eu le temps de régène, c'est parfait. Il faut que j'ai des réflexes de dieu. Si c'est le cas, c'est bon. Juste les réflexes, la concentration réflexe. C'est aussi simple que ça. Ils arrivent tous de là-bas, donc les couteaux, c'est bon.
Le mec qui va en haut m'inquiète énormément. Ok, c'est bon. Parce que lui, il aurait vraiment typiquement été le mec qui me balance des coups de là-haut. Parce qu'il se considère étant trop loin. Il ne pouvait rien faire. Oh! C'est de tes maîtres, les Borgia, que tu tiens ces inepties? Je dis la vérité. C'est toi qui oses mentir au peuple. Non. Moi, je sais rien de. Allez, donne-moi le code. Tu ne mérites que la mort. La mort! Tu veux jouer à ça? Oh. Non! Non! On va t'avoir! Ah! Ah! Oh non! Ah! Ah! Même c'est que j'ai l'épée du début du jeu en plus, donc c'est ultra dur. Oh. Heureusement que c'est des mecs primitifs et qu'ils font zéro dégâts, hein, vraiment. Oh, ça aide, hein, ça aide. Hein. Ok. Deux enchaînements, ça lui enlève un carré. Voilà, un. Deux. Oh, wow, c'était tellement chaud, on est d'accord, c'est pas un échec, hein. Oh, oh. Lui, il avait des balles sur lui, pas très primitif, ça, hein. Le drapeau est là. Oh non, on me dit pas qu'il fallait y aller pendant que les mecs ouvraient leur cage. Non, faut y aller. Ok, non, je sais. Regardez bien. Tac, tac, tac. Yes! Ah, le 100% là! Ah, c'était. C'est culotté de faire tout le jeu sans aucune amélioration, aucune armure. Bon, là, mais si t'as une armure, regarde, elle est cassée. C'est celle qu'on est obligé d'acheter dans le jeu, hein, au début du jeu. C'est juste les spaliers en cuir, c'est tout. Voilà, aucune armure, aucune arme. C'est les armes de base. Là, faire gaffe à pas perdre de PV sur la fin à cause d'un saut ou du feu, par exemple, parce que sinon, on sera dégoûté de devoir tout recommencer. Tout recommencer sur la fin, comme ça ferait mal. Oh là 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 là. Pouah. Quel talent, je trouve ça trop cool qu'il n'y ait pas un truc de temps, enfin. Parce que le temps, c'est juste, en fait, c'est pas que voilà, c'est pas que c'est dur ou quoi que ce soit, c'est pas dur, mais le fait de devoir recommencer le truc deux fois, ça me fascine pas, quoi. Ça m'excite pas beaucoup. Voilà, je trouve ça bien plus excitant ce qui vient de se passer, mais quand ça fonctionne, évidemment, parce que s'il y aurait eu des problèmes, ça aurait juste fait beaucoup rager, hein, c'est sûr. Oh là là. Il a mérité, hein, l'armure de. De Romulus 1. Et il y a une arme aussi avec, hein, je crois. Il y a l'armure et une arme qui est fournie. Donc, comme j'ai jamais acheté d'arme, ça me ferait une arme gratuite améliorée. Et donc je me battrai avec ça après, quoi, je pense. Donc c'est ça qui est trop bien. C'est beaucoup trop cool. Oh là là, ça rend si heureux de réussir à faire des choses si difficiles comme ça. J'imagine pas à quel point ça devait être facile en ayant toutes les armures du jeu comme on était censé avoir, quoi. Ça va être vraiment simple. Hein. Yes! Ah, ah, quel talent! Ouais, ouais! Oh là là, on dirait pas que je suis forcément très heureux, peut-être, mais. Oh yeah! Yes! Allez, on a fait la moitié. Pas la moitié de cette VOD, parce que bah, y a l'un des 6, bah, c'était en histoire principale, donc on ne l'a pas fait là. Mais plombier. Wow. Peut-être que si on peut aller s'acheter les armures, on ferait peut-être bien de commencer à le faire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, hein, peut-être. C'est une possibilité, quoi. C'est peut-être intéressant. Cool, 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 cool. Mon cœur en a pris un coup. Je sens qu'il est un peu en mode. Vous voyez ce que je veux dire.
Donc ce qu'on va aller faire, c'est cool, on va aller faire cette tour de Borgia, comme ça c'est fait, voilà, ça fait un point en plus, parce que c'est juste là, c'est au passage. Ah non, parce que de toute façon on ira à la fin. Non, 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 on va pas faire ça. On ira à la fin, donc on le fera à la fin. Excusez-moi, mais ouais, on fera ça maintenant. Quand même, voyons. Pas maintenant. J'aurais bien aimé, je pense, me téléporter, ça aurait été bien plus simple. Mais on dirait que ça a l'air un peu complicado. Je crois qu'il y a un truc d'assassin, c'est très très bien. Plus un forgeron. Peut-être qu'on peut regarder le forgeron pour trafiquer un petit peu. En fait, le truc, c'est que je n'aurais pas besoin, c'est sûr. C'était pour cette mission-là qu'il aurait fallu. Mais... Bon, déjà réparé. Par magnifique toc. Donc, je vais avoir le full set romain. Ça, au minimum, c'est vrai que c'est quand même, je pense, pas mal. Et après, pour les autres choses, faut avoir. Rondelle. Ah non, rondelle, on peut l'avoir aussi. Ouais, ouais, ça coûte pas cher autant que j'ai acheté, hein. Ça va aider pour le 100% pour l'émission de Christina. Ok, c'est parti. On se régale tant que le full set, y a pas besoin de faire de quête de marchand. Hein. Mais le problème, c'est que... Ah non, je voulais pas acheter maintenant. Ah, je voulais pas acheter maintenant les choses. C'est vrai, je suis en train de faire une erreur. En plaque, je peux tout acheter. Ok, c'est juste le Sunhower que je peux pas acheter. Et en plaque, je peux carrément. Ok. Non, mais ouais, je voulais pas. Je voulais pas, je voulais pas. Attendez, j'analyse. Analysation, s'il vous plaît. En plus, ça m'a pas donné tant de vie que ça, en plus. Hein. C'est vrai, ça. ADN. Je crois que c'est dans l'ADN. Non, c'est pas dans l'ADN. Non, non, c'est pas dans l'ADN. Je crois que pour savoir ça, faut aller à une banque. Non, bon, on va rester comme ça, on va pas faire plus. En fait, faut pas dépenser trop d'argent parce que plus t'as de commerce, bah, plus y'a de réduction. Et donc, moi, j'espère avoir la réduction avant d'acheter, quoi. C'est pour ça que j'achète rien, j'attends d'avoir tout en réduction max. C'est comme le jeu nous permet pas d'aller tout chercher pour l'instant. Bah, faut attendre, il faut attendre beaucoup, beaucoup. Ok, ça XP, paf. Bientôt on mettra assassin. Hein. Ça évolue vite quand même les recrues de nos jours. Vous vous rendez compte? ?13 minutes, c'est vraiment peu. Donc c'est pas mal. Ah, c'est dommage. À 3% près. Ah ouais, c'est profond ça. Et il faudrait, ouais, il aurait fallu 900. Ah, ça y est presque, hein, pour elle. J'ai l'impression qu'on est vraiment à rien près, quoi. Ok, oh là là, c'est bien ça. Je la mets elle déjà. Voilà. Et 900. Ah bah c'est le fameux 900, bah c'est trop tard. Hein. C'est littéralement trop tard. Bon, est-ce qu'il y a de l'argent là? 700 florins, c'est pas trop mal, mais bon. 800, ouais, ouais, ouais. C'est pas trop mal, hein, mais... J'ai plus envie, quoi. Ah oui, ça, c'était bien, ça, ouais. 1500. On envoie un max. Là, c'est des 800, pas trop mal aussi. 700, allez, on envoie, ça dure pas longtemps. Ça coûte rien. S'il y a un nombre de missions limitées, je crois que non, malheureusement. Mais au moins, on pourrait faire toutes les missions du jeu. Mais non, non, je crois que c'était les missions spéciales, il y en avait un nombre limité. On les a toutes faites. Et là, je pense que c'est infini. Ok. Bah, j'aimerais bien aller à une banque. J'aimerais vraiment jeter un petit coup d'œil à mes investissements. Là, j'ai vraiment cette envie, là. Donc ce serait pas mal. Il y a le bon de Leonardo, on va vite fait voir, histoire de s'assurer qu'on a vraiment tout et qu'il n'y a rien de nouveau. Juste vite fait. Ah non, c'est en bas. Ah non, c'est bon, c'est en haut. Donc c'est bien, je le confirme, je le fais. Tu possèdes déjà tous les objets que je peux fabriquer. Ah! Allez, salut! Bah au moins, on n'a pas perdu beaucoup de temps, c'est bien. J'aurais eu peur que ça ait mis 6 ans à me dire « Salut, comment vas-tu ?» Ça m'ouvre le menu et je quitte et... C'est trop chiant ces dialogues. Il y a une fois où c'était cool.
parce que ça a parlé d'un truc par rapport à la quête et c'était vraiment sympa, j'ai trouvé. Mais là, oui, non. C'était bien une fois. Il n'est pas de souffrance que je... En fait, que ça interagisse avec notre avancée dans le jeu et tout, c'était vraiment cool. Bon, j'espère que vous appréciez. Normalement, ça pixelise 1000 fois moins. Mais 3 trilliards de fois moins, le jeu. Parce que j'ai fait quelque chose pour que ça pixelise plus comme avant. Ça utilise beaucoup plus de performance, donc beaucoup plus d'électricité. Et vu le prix de l'électricité, ça fait mal. Mais, voilà, normalement, je suis déçu de ne pas avoir su qu'il fallait vraiment le faire avant. Mais j'ai enfin corrigé le problème de pixelisation qui vient du jeu, hein, parce que l'anti-aliasing n'était pas assez bon. Et ça, en streaming, avec le peu de débit qu'on a, l'aliasing, c'est le pire ennemi des lives. Hein. Le boss, non, enfin, les vrais pires ennemis, c'est les bruits vidéo et l'aberration chromatique un peu, mais surtout les bruits vidéo. Mais un anti-crénelage, ça fait le même effet que du bruit. En peut-être pire même, parce que ça scintille et tout carrément. Enfin, c'est assez spécial comment ça fait. C'est assez dans ce jeu vu, c'est quand c'est fourni de, en fait, dès qu'il y a de l'herbe, en fait, de la verdure, feuilles, herbes, tout ça. Je me rendais pas compte en tant que joueur, moi c'était suffisamment anti-aliasé, mais en vrai non, on réfléchit bien, c'était l'abus. Et... J'aurais bien aimé le savoir avant de commencer le jeu, mais je pouvais pas savoir quoi. Donc voilà, c'est malheureux mais c'est comme ça. J'ai peur qu'il y ait du temps, on dirait que c'est de l'escalade. Ne perdez pas plus de 3 carrés de santé. Ok, bah écoutez, c'est plutôt cool. Du coup, bah, l'armure me sert à rien effectivement, mais... C'est vraiment pas mal. Tac, donc c'est une mission plutôt cool qu'on n'a pas besoin de faire plusieurs fois. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Hein. C'est vraiment ce qu'on veut. Il y a un drapeau ici. On dirait voilà, qu'on y va d'au-dessus. C'est bien ce que je pensais. Tac, on va le chercher tout de suite. Un drapeau sur 3, ça va vite. Non mais c'est là qu'on voit que ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'on a un tiers. Pour l'autre, si, c'était plutôt vrai, mais non, non, non. Ne pas trop en prendre compte non plus. L'ambiance est assez stressante. Hein. Je ne stresse pas, mais c'est une ambiance stressante. C'est pas. Ça rassure pas. Ça rassure pas pour la suite. Pour l'objectif de 100%. Ah, l'ambiance! On dirait un bouffon, non? Non, 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 c'est juste que la qualité est ultra mal. Hein. Parce que le jeu est dégueulasse, en fait. Tout simplement. Le jeu est dégueulasse. C'est pour ça. Je crois que c'était quelqu'un qui était à moitié pendu, je sais pas quoi là. Attaché et mort. Mais non, heureusement tout va bien. Ah, c'est un piège. Je vois pas comment ils sont censés savoir que je suis là, mais... Ah, il dort. Il surveille les prisons. C'était un piège. Oh là là, les lancers de couteau, je le sens pas. Doit souffrir autant que Rémus. Ah, ok, ça va, ils sont encore à corps. C'est ça, attaquez-moi. Non, je pouvais pas attaquer. Il avait pas sorti l'épée et il voulait pas le faire, surtout. J'aurais fait quand j'aurais demandé encore. Et il ne voulait pas. Ça, c'est un gros problème hein, des Assassin's Creed des vieux. La mort est écrite. Par tes maîtres, les Borgia. Tu ne sais rien. Je sais qu'ils te font parvenir des lettres codées. Prouve ton innocence. Dis-moi où tu as caché ce code. Jamais. Ah. Donc il est pas très innocent. Très bien. Oh là là, attendez, parce que... Ouais, les trucs ouverts, ça me donne l'impression qu'il peut y avoir quelque chose. Là, il y a un drapeau, non? Il y a rien de caché? Ah, je suis sûr qu'il peut y avoir un truc caché. Hein. C'est des filous, hein, c'est des filous. Va peut-être falloir recommencer rien que pour ça. Hein. Moi j'ai confiance, ça va. Si perdu, c'était sûr. C'est malheureux, mais ouais, j'ai voulu. Mais il est juste là! Wow! Le mec a arrêté de jouer tellement que ça l'a saoulé.
Ça va, on va reprendre juste là. Voilà, c'est plutôt cool. J'aurais pu vraiment le plaquer, hein, limite. Hein. J'aurais pu le plaquer, mais vaut mieux pas si ça fait un bug. Vaut mieux le laisser tranquille. Pour avoir les cinématiques bien stylées du jeu. Je trouve que les tanières, c'est pas trop mal. Hein. Ils ont apporté tout un lore, on va dire, et tout ça. Le 100% du jeu est un peu plus poussé que les 100% qu'on a l'habitude. Hein. Plus poussé que même les jeux de maintenant. C'est vraiment bien. Je fouille partout, hein, je suis désolé, mais... C'est important. Là, il y a un coffre, donc j'imagine que ça veut dire qu'on a le temps de le prendre, il bouge plus. De toute façon, il est plus en jaune, il est en rouge, effectivement. Je trouve qu'il y a trop peu de drapeaux, ça m'inquiète. Oh là, les bugs. Ah, il y a vraiment... attends, il y a vraiment un bouffon, en plus. Il y a vraiment des bouffons. Je vais en parler, il y en a. Merda, où est-il passé? Okay. Je trouve ça trop dommage que le jeu se lag maintenant. Ça n'existait pas avant, ça. Et avant de le trouver, j'observe la map. Il y a certainement un drapeau là. Dans chaque zone, il y en a un et là, il y en a forcément un. Là. C'est un coffre, malheureusement. Ça aurait été une bonne cachette pour un drapeau. Je savais pas qu'on pouvait interagir avec les draps comme ça, c'est nouveau. Oh là, là-haut. Oh, oui, bah oui. Ah, dommage. C'est des bonnes cachettes quand même. Hein. Moi, j'aurais mis un drapeau si j'aurais été... Non, c'est le coffre méga spécial, ok. Ok, on remonte tout en haut. Non, y a pas. Hein. C'est pas là du tout. Hein. Même pas dans le renfoncement, non. Ah, c'est des très bonnes cachettes. C'est pas des cachettes de coffre, ça. Hein. C'est bien trop bien. Qu'est-ce qui va pousser un homme à... Il y a une femme derrière ça. Une femme. Évidemment qu'il y a une femme. Bien joué. J'entends quelque chose briller. Ça ne me plaît guère. Cible repérée. Oh non. Oh non, ça va me désynchroniser du coup. Non. Là, il y a un drapeau. Oui. C'était le drapeau à trouver. J'avais bien entendu en tout cas. C'est des cachettes de malade, ces draps rouges. On n'a jamais vu ça dans le jeu, donc en plus, ça va vite de... Bah de pas essayer de passer à travers. On pourrait dire c'est physique quoi. Oh. Oh l'abus. Ça va plus vite de pas être passé par les trucs, c'est bien. Oh c'est incroyable. Non mais la course dans le Colisée quoi. Oh non, comment on fait pour s'accrocher au truc? Oh non, pitié. Oui, ah c'est trop tard. Je l'ai perdu. En fait je comprends pas, je sais pas comment ça fonctionne pour céder du cheval, ça marche pas en fait. On m'a dit qu'il faut appuyer sur RT et A, comme logique et comme bah, dans Assassin's Creed 2 quoi, qui est quand même un jeu très lié avec celui-là, c'est vraiment très très similaire, c'est les mêmes. Hein. Mais non, ça, je sais pas, ça va pas marcher. Ok. Ok, non mais faut juste, ça va, hein, c'est pas grave, faut juste retry à la limite hein, si on a besoin. Mais c'est tout. Je m'en doutais que le drapeau aurait été pendant la course poursuite malheureusement. Comment je fais là? Ah bah non, du coup ça me l'a laissé. Oh, ça m'a propulsé. J'ai réussi, on empêche. Hein. Ah, pas mal. Ok, bon, c'est bien que ça me l'avait gardé. Ils sont gentils quand même. Ils sont gentils, ils facilitent le truc. Là, lui, il a de la chance. Dans le 2, en fonçant dans des fous, donc, il tombe du cheval. Donc dans le 2, il serait censé tomber. Oh là là, c'est trop cool. Course de cheval dans le Colisée. C'est vraiment sympa. Je trouve que les tanières en plus, elles se...
Ça se... C'est bien. Ah, fallait être en haut. Oh. Ma vie, ne m'enlevez pas de la vie. C'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est des filles à la base. Hein. J'avais un peu oublié. On était un peu concentrés sur... sur les drapeaux, là. Ça lui a pas... Ça l'a pas tué. Là, c'est bon, là. La première n'est pas passée, je ne sais pas pourquoi. Gros bug. Mais là... Voilà. Oh, le mec est mort bêtement, il a rien sur lui. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, c'est ridicule. Le mec était très très nul. Bon bah c'était trop cool, j'aime beaucoup mieux les tanières que ce que je l'aurais pensé, c'est vraiment bien. Ça rend bien, ça rend bien. Pourquoi on peut aller là? Pour rien. Bah c'est parfait, je crois que j'ai reçu un message tout à l'heure. Voilà, terrible, il y a plus d'une heure. Ok, bon ça va, c'était pas un message pressé. Parfait. Pas de cop caché en dessous, si, bien sûr. Évidemment quand même. Il peut pas sauter, je comprends pas. Bon allez, ça, ça m'énerve. Stop les bugs, stop. S'il vous plaît. I don't like bug, en fait. Oh là là. J'aime bien cette musique. Ok. C'est parti. Je trouve qu'à la limite, s'il y a quelque chose de décevant, c'est bien le trésor. Quand t'arrives dans la salle du trésor, je trouve que ça manque d'un petit truc. Parce que là, par exemple, cette salle, on est en mode « Waouh, trop stylé !» Et on pourrait se dire « Bon, qu'est-ce qu'on va découvrir ?» Mais non, on se pose pas cette question. Parce qu'on sait très bien que ça va être une salle au trésor nul. Ça manque d'un petit truc, quoi. Une petite cinématique, peut-être. Une petite révélation, quoi, à chaque fois. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Aïe ! Parfait. Bon bah les tanières sont pas mal pour l'instant. J'espère que les deux dernières seront cool aussi. Pas chiantes et tout ça. En plus il varie un peu le gameplay à chaque fois, c'est vraiment bien. Une fois c'était de l'escalade, une autre fois c'était de la pourchasse. Bon je sais plus comment on dit mais voilà. Il y avait de la course de cheval, du repérage des cibles un peu stylé. Qu'est-ce qui nous réserve d'autre, finalement? Est-ce qu'on n'a pas épuisé toutes les possibilités du jeu? C'est une bonne question, hein. Yes! Ici, je crois que c'est le marché, si je ne m'abuse. Pas du tout. Dommage. Dommage. C'est ici. Ah, j'y étais presque. Ah, mais ou alors c'est celui-là que j'avais vu. Je sais pas lequel des deux j'avais vu, que j'avais dit c'était le marché, mais en tout cas, il y a bien le marché ici. Ok. Bon. Bah, moi, ce que je trouverais pas mal, je pense, c'est d'aller là. Ou d'acheter ça au passage. Voilà, c'est cadeau. Quand on ira à l'autre, tout à droite, hop, on ira acheter ces deux trucs-là au passage. Ça fait pas perdre de temps. On ira récupérer la tour de Borgia.
faire ça à la limite. On fait lui. Et on remonte là. Tour de Borgia. Oh, c'est magnifique. Et non, même là, on ira là. Oh, c'est... oh j'adore. Oh oui, c'est parfait. Tout est si bien. Tous les astres s'alignent, en fait, comme diraient certaines personnes. Magnifique. Dégage! Ah, ça va pas durer longtemps le cheval, je sens. Ouais, c'est... dommage. Dommage, dommage. Ah mais le problème c'est qu'ah oui, il manque plein de magasins. Parce que faut pas oublier les cadenas aussi. Ça fait quand même que il me manquera encore des choses à acheter. On pourrait... ce sera pas fini ici. Mais ça aura bien avancé. J'aimerais bien trouver une banque sans aller à la banque de mon île. J'aimerais bien trouver une banque sur le chemin. Que fais-tu là ? Descends ! Allez, mais il est con ! Putain, je voulais pas aller là, mais... On a dit là en premier, ouais, c'est bien ça. Hein. Il n'y a pas d'autre chose à faire d'abord. Ok, parfait. Allez, viens là, mon petit. Nickel, hein. Ça a bugué. Hein. J'ai galéré à monter dessus, mais on dira rien. On peut y aller. J'adore la musique. Waouh! Ah ouais! Ah, quand il parle de pyramides, c'est des pyramides, quoi. Oh, ça coûte pas cher! Ah! Ah, c'est rigolo. Ah ouais, c'est magnifique. Ah, c'est stylé. Ah, c'est une bonne défense, ça. Tu construis une muraille, ouais, sur une pyramide. La pyramide, ils sont pas prêts à l'exploser, hein. Ah, c'est sympa, ouais. C'est très sympa. Et en tant que propriétaire de ce royaume, tu mets une petite échelle. Paf. Du coup, comme c'est une échelle qui est un peu penchée vers l'avant, tu la montes beaucoup plus simplement en fait. Et s'il y a un peu de tremblement de terre et des explosions et tout, ça ne te fera pas tomber non plus. Bah, c'est beaucoup plus... c'est vraiment cool. C'est parti. Là, il y a des symboles, on dirait nordique aussi à chaque fois que c'est tracé au sol. C'est clairement des... ah non, c'est tout le temps le même. C'est tout le temps le même, mais c'est un symbole nordique, je crois. Ouais. Oh oh. Terminer la mémoire en moins de 8 minutes. Oh non, on refait ce coup-là. Bon bah c'est parti, on speedrun. Hein. On speedrun. Non, je déteste ce truc, le temps. C'est dommage. En fait, je déteste juste parce que faut le refaire deux fois, sinon c'est trop cool. En vrai, c'est vraiment cadeau. En tant que joueur normal, c'est le truc, c'est ton truc préféré, quoi. Joueur normal, mais qui veut quand même faire les quêtes à 100%. C'est littéralement le meilleur truc. Et moi, vraiment, non, quoi. Oh oh, il y avait quelqu'un. Il l'avait mis juste pour faire une ombre, pour un lore, peut-être faire peur, je sais pas trop. Dire qu'on n'est pas seul. Mais malheureusement, je vais tellement vite que je l'ai vu. Donc ça, c'est du vrai speedrun au moins. Et ouais, mon gars, ça c'est du vrai speedrun. En vrai, non, je vais pas très vite, hein, faut être honnête. Pour aller beaucoup plus vite. En plus, je connais pas, donc... non, c'est vraiment pas là qu'il faut aller. Oh, j'ai envie de mourir là.
Mais bordel. Faut pas suivre les torches. Y'avait pas de torches là où fallait pas aller. Y'a moyen. Y'a moyen que c'était ça pour se repérer. Ah dommage, j'aurais pu. Ah c'est dommage. Ok. Paf. Ah ça fait penser au Seigneur des Anneaux un peu, non, la map. J'avais pas pensé aux mecs qui sont un peu sous terre là. Les gros pauvres malades là. Un peu, non. Mais du coup c'est pas dans le Seigneur des Anneaux, je crois que c'est dans. C'est dans. C'est dans l'autre là. Le Hobbit. Moi je préfère le Hobbit. J'aime bien le dire parce que je sais que les gens sont pas d'accord, du coup ça les fait rager que je dis ça. Mais c'est vrai, hein, je préfère vraiment le Hobbit quoi, c'est mieux. Mais faut pas le dire. Faut pas le dire s'il y a des gens qui sont pas contents. Attends, parce que je sens que j'ai pas au bon endroit là, si. Et je crois que c'est bon. Oh là là. Et je crois que c'est dans le Hobbit, ouais. Hein. Bon, j'ai un sens de l'orientation de Dieu, donc ça, y a pas de problème. Sans connaître la map, je sais tout de suite où faut aller. Alors que c'est censé être labyrinthique, c'est ça la difficulté, je pense, du 100% du temps. Là, si c'est déjà la fin, j'expose mon écran, en fait. Hein. Non, c'est pas la fin. Non, bien sûr que non, c'est seulement les un quart. Hein. Quand même. Je sais pas. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas pratique pour aller vite. Hein. Je laisse tomber comme ça. Oh là là. Ah! Oh! Ça va, c'était pratique, on est juste trop fort, donc c'est bon. Je dirais gauche. Droite maintenant, non? Ouais, gauche. Je connais pas du tout la map, je suis juste un dieu. C'est ce qu'on appelle le vrai sens de l'orientation, en fait. C'est carrément pouvoir deviner sans savoir. C'est... Non, s'il faut, c'est pas du tout le bon endroit. Non, c'est probablement pas le bon endroit. Si? C'est peut-être un cul-de-sac pour le 100%, hein, je sais pas. Non, on dirait que c'est la suite. Hein. Ok. Non, mais je le sens en fait où il faut aller à chaque fois, je sais pas pourquoi. C'est terrible. Là, j'aurais dit à droite, mais. Je tente quelque chose. Non, là, c'est pas là. Et c'est pas là non plus. Si. Ok. Oh là là! Ah, ça continue. Bon, on voit, au moins, je connais la position de deux drapeaux, donc faudra pas trop s'inquiéter tant que je serai pas arrivé aux endroits où je sais qu'il y a les drapeaux. Ça voudra pas dire que je les ai ratés, quoi. Où sont les meneurs de ces adeptes de Romulus? Très bien, bon, j'ai déjà repéré où grimper. Oh! N'inquiète pas, mon gars, j'ai repéré. Là, par contre, je suis inquiet, là. Il fallait aller là. Vite. Je sais pas combien de temps il reste. Je pense que c'est largement bon, mais je m'en fous. Et j'ai déjà la suite. Oh, les changements de caméra, pire truc, hein. Ça aurait pu mettre le joystick sur le côté, là. Checkpoints. Oh yeah. Parfait. Si je tombe, je passerai par là. Exactement, mais dépêche-toi, on n'a pas le temps, vite. Ne dis pas qu'on est déjà arrivé, on peut sauter de là-haut.
Bah, c'était nul. Excellent, excellent. On est peut-être à 70 mètres du tombeau. Tombeau final. Tac, on dirait que c'est un endroit de piège à la base, ça. Ça me fait penser à Skyrim, un peu. Les catacombes de Skyrim. Le design de map qu'on a à l'infini. Hein. On passe le jeu à avoir ce même design en boucle. Voilà, il y a un problème, là. À l'aide, c'était pas le bon chemin. Ouais, c'était pas le bon. Ok. Putain, je suis désolé de m'être trompé, ça me fait mal. Hein. Ça me fait mal. J'avais pas... Je sais pas si j'avais capté qu'il y avait... J'étais pas assez concentré, là. Ok, c'est bon, on y est. Mais c'est pas fini. Oh, waouh. Pour Périen. À droite, non? Sur les anneaux. Oh là là. Ça fait penser à Resident Evil aussi, Resident Evil 4. L'ambiance, je trouve. Des décors. Dis-nous, oh Romulus! Quel sort devons-nous réserver à cet intrus? Il a rien dit, Romulus, hein. Ne l'écoutez pas! Les Borgia parlent à travers lui! Par votre dieu! Mais Romulus, il a rien dit du tout, arrêtez de... Arrêtez de me raconter des hérésies. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout ce qui se passe. Je sais pas où il faut aller, on dirait que c'était là. Ok, parfait. J'ai fait très vite, j'ai fait très très vite. C'est vraiment pas mal. Je vais me jeter des couteaux, ça va me faire tomber, ça va être terrible. Oh là, c'est bon. Il est malheureusement pas mort. Oh là non, pas tomber, pas tomber. Ezio, t'as le con. Putain. Il reste combien de temps? C'est perdu. 52 secondes, c'est perdu. Ezio, mais... Pourquoi c'est un con pareil? Pourquoi il est con? Mais pourquoi? 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 Pourquoi il est con? Pourquoi? Putain. J'avais vu un mongolien pareil. Vite, 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 j'y suis. C'est là, hein, c'est clairement là. Pour récupérer le parchemin sans le reste. Le reste, on s'en fout. On ne peut pas le suivre! Viens! Un autre tunnel peut nous mener jusqu'à lui. C'est... On est obligé de speedrun comme ça. De toute façon, c'est pas grave, c'est pas... Oui, c'est bon. Donc j'ai gagné. Le fait qu'il soit tombé, c'est pas trop grave. C'est bon, il reste combien de temps? 16 secondes, c'est bon. Vite, dépêchez-vous, cinématique de mort. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! C'est bon. À part si ça, ça compte, mais je crois pas. Il n'y a pas de bruit de chrono, hein. C'est un peu bizarre, mais... Oh, c'était grand, hein. C'était grand. Elle donne pas beaucoup, cette mission. Pompe funèbre, ouais. Ok. Bah, c'était plutôt cool, hein, en vrai. C'était plutôt cool. Le 100% va être difficile pour peut-être récupérer tous les drapeaux. Il y en a un qu'on connaît pas trop, mais il est forcément avant, peut-être. Soit il est avant, soit il était dans la dernière salle, là. Ah bon, avant d'arriver à... À la fin. Donc on va voir ça. Hein. Je sais plus comment s'appelait cette tanière, donc malheureusement pour la retrouver dans l'ADN, ça va pas être pratique. Ça va pas être pratique du tout. Donc là ils m'ont bien fait revenir à peu près par là. Ouais, c'est plutôt pas trop mal. C'est un peu, c'est pas parfait, hein, mais bon, ça va, ça peut être pire. Ok, j'ai gagné plus de 10% du jeu avec ce qu'on a fait là. C'est bien, c'est bien. J'avais besoin vraiment d'évoluer à ce niveau-là. Donc c'est rassurant. Lieu secret, 79%. C'est ça, hein, non? Trouver la terre des adeptes. Catacombe, hein. Donc c'était littéralement la première. Ok, je crois que c'était ça. C'est parti, 100%. Oh yeah. Ah! Je me souvenais pas que j'étais arrivé comme ça, bordel. Je me souvenais de ça, mais pas comment j'étais arrivé. Putain, c'est rigolo. En fait, j'avais pas regardé, hein, tout simplement, c'est pour ça. J'avais clairement pas regardé.
Rien ici. C'était plutôt long, hein. On a mis 8 minutes en mode speedrun, alors en mode sans speedrun... ça peut quand même rajouter pas mal de longueur. Hein. En vrai, ça va aller à peu près aussi vite quand même. Juste, va falloir aller dans tous les cul-de-sac, du coup. Pour fouiller les coffres. Bon, après, comme c'est des coffres, c'est pas grave. Hein. En vrai on est censé skipper quand même. Hein. Mais vous voyez, ce genre de petit renfoncement... Dans tous les labyrinthes, faudrait un peu tourner, quoi. Rien de très fameux. Hein. Pas très... Allez, saute ! Ah, il y a encore le bug, là, ça. Ah si, il y était, hein, d'ailleurs, mais... Rien en bas, c'est arrangeant. Je tente ça. Ok, j'aurais voulu le faire pour le speedrun, je l'ai pas fait. J'aurais dû, ça m'avait fait moins peur du coup pour la fin. Ok, on a vu l'ombre encore. Hein. Bien, ça donne pas grand chose. Alors, on va récupérer les petits coffres. On y avait été ici, on est arrivé, hein, je me souviens. Donc, ça va. Vous pouvez le voir, on avance assez vite. Pour en terre cuite, plutôt pas mal. Enfin, je crois pas, mais t'as donné au moins dans les trois chiffres, non? De Florin, je sais pas. I don't know. Ouais, le premier drapeau était pas trop loin d'ici, je crois. Je sais plus. Oh, oh. C'est dingue, ça. Oh, la dinguerie. 1500, ça, non? Ah, non. Ah, ça m'avait l'air pas mal. Un peu déçu. Très bien. C'est bizarre que ça donne moins que genre ce coffre par exemple, mais bon. Oula, c'est... Je sais pas où je suis là, mais... On connaît pas ça, hein. C'est un drapeau, je pense. C'est le drapeau que j'avais pas vu. What? J'ai jamais voulu faire ça, mais c'est pas grave. Oh non! Du coup, je me suis trop avancé. Ok, je peux revenir en arrière. Je pense qu'il y avait rien, mais bon. Ok. Est-ce que je peux au moins y retourner? Ouais. On va y retourner, c'est très intéressant. Mais je crois que j'avais pas tout fouillé d'ailleurs ici. Hein. Si. Ah si. Ici, donc on arrive direct ici. D'accord. Bizarre quand même, tous ces chemins. Bizarre. Pas de drapeau. C'est peut-être un chemin après là-haut qui emmène à un drapeau justement. C'est ce que je crois hein, quand même, j'espère. Là, ça emmène quelque part, oui, on connaît pas. Hein. Ah ouais, c'est un drapeau. C'était donc comme ça. C'est dingue, hein. Le level design. Non, non, Ezio, mais... Oh là là, faut pas me faire peur comme ça. Oh là là, il a encore continué. Arrêtez de me faire peur, s'il vous plaît.
Très bien, on continue. Donc j'ai bien fait de remonter du coup. Là je crois qu'il fallait aller à gauche donc c'est compliqué. S'il y a un drapeau dans tout ça, c'est la mort. Je me dis, c'est la mort assurée. J'ai un sens de l'orientation exceptionnel, donc normalement je... Ça devrait se faire, mais... Ça devrait se faire facilement. Là, tous les endroits par lesquels je suis passé, c'est déjà quadrillé dans mon esprit, mais... Mais c'est pas facile, en fait. Il suffit d'un petit chemin nul que j'ai compté de ça, et hop, je m'en fous, mais... Et qu'en fait, il y avait un petit renfoncement, quoi. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. On dirait juste qu'il y en a un dans chaque angle, c'est tout, mais... Peut-être que c'est plus que ça, quand même. Bon. I don't know. Ce mur me perturbe, on dirait qu'il est nul, comme si on pouvait l'exploser. Ouais. Toujours pas arrivé, passer par l'endroit que j'avais en tête dans les drapeaux. Alors, il y en a des drapeaux, je sais où il est, et il y en a un, je crois que j'avais vu. Et je trouve ça bizarre de toujours pas être à l'endroit où je l'avais vu. Mais normalement, je sais où ils sont tous. En vrai, j'ai pas besoin de fouiller tout ce que je fais, mais bon, je le fais quand même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de trésors dans cette tanière. D'habitude, il n'y en a pas autant. Et c'est pas aussi labyrinthique que ce qu'on croyait. Hein. Mine de rien. Ça m'a fait tellement peur, j'ai failli me presser du coup, mais non, on n'en a pas besoin, on s'en fout. Là, il y a la petite cinématique, est-ce qu'on peut la skipper celle-ci? Oui. Voilà, c'est pas intéressant. Pas intéressant du tout, même. Ça, c'est stylé comme saut. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois que là, c'est annexe. Évidemment. Je me sers pas de mes assassins alors qu'ils sont disponibles ici. Dommage, j'aurais dû pour le 100%. Ça m'aurait épargné mon problème, justement. C'est rigolo de se dire que là, on aurait déjà fini le tombeau. Ça fait déjà plus de 8 minutes qu'on fouille. Ça va trop vite. Ok, il était là, le drapeau, que moi, j'avais vu. Donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut y aller? Observons. À partir de là-bas, hein. Alors, est-ce que c'était là-bas, mais... Par là? Est-ce que c'était par là qu'on pouvait y aller? Non, on venait pas du tout d'ici, hein. En fait, moi, je souvenais qu'on venait de là, et s'il faut, ici... Non, y a rien qui monte. On va vérifier. Non, c'est bon. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît très bizarre, j'ai pas confiance. J'ai l'impression que c'est pas après, je sais pas pourquoi. Une impression horrible. Horrible. En plus, ça vient de la droite. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, arrêtez d'être con, là. Et... Il est malade, hein. Ça continue, hein.
Ce serait bien de voir un médecin pour cette maladie du cerveau. Bon, je pense que c'est là, clairement. Clairement, on revient là, et là, c'est la bonne. Et l'autre drapeau, on sait où il est, donc on les a tous, et on a dépassé la moitié des drapeaux, ouais. Pas mal. Ça fait plaisir. Tac, donc on sait qu'on va ressortir d'ici avec tout. En face pour voir. On dirait que c'est la suite, c'est terrible. Ivoire d'éléphant, magnifique. C'était clairement la suite, je m'en souvenais, ouais. Ouais, je m'en souviens. Voilà, attends, je reviens en arrière, là, on est d'accord. Pour moi, je reviens en arrière. C'est là où il y avait le... Ouais. Ok, attendez. Donc, on y va. On suit la lumière, donc ça va être à droite. À droite, c'est pas la suite. Voilà. Coffre. Ah, ça revient au même. Ah, c'est intéressant, ça. Un peu casse-couille, surtout. D'accord. Bah, c'est pas l'hyperintique du tout, en fait, on était pas si fort que ça. On n'était pas si fort au final. On skip. On prend notre temps, c'est vraiment pas mal. Le drapeau devrait être très facile à avoir. En regardant juste un tout petit peu, un minimum. Donc là, dans l'idée, une fois qu'on est là, on peut trouver un moyen d'être plus haut. Donc ici, je pense qu'il faut escalader. Ouais, comme on a escaladé là. Et aller en arrière. Ok, observons, tentons, testons. C'est parti. Il va falloir faire très exactement, mais en symétrie, ça. Et après sauter. C'est aussi simple que ça. Touk. Non, il est trop con. Mais Ezio, je suis désolé, je te parle de toi à moi. Sale connard. Voilà. Quoi, tu es aussi con. Putain, mais il me casse les couilles à faire des sauts comme ça, là. C'est quoi ces trucs qu'on a pas demandé? Bon, au final, c'est bien parce que ça me permet de fouiller, voir s'il y avait pas un coffre en bas, je me le demandais quand même, mais même si j'étais sûr de la réponse. C'est pour ça que j'y ai pas été de plus pleine conscience en avance, hein. Avant d'avoir monté, mais bon. J'avais raison. Bon, on continue. Putain, il est insupportable. Hein. Arrêtez d'être con comme ça. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Voilà. Donc là, monter ici exactement comme je l'imaginais. Tac, demi-tour. Let's go. Voilà, c'est tout comme j'imaginais. Nickel, c'est un chemin un peu plus stylé en plus. Ça me chante bien. Parfait. Si je tombe, je passerai par là. Ouais, c'est ça. Tout à fait, oui. Bien sûr. Allez, zone finale, on aura juste pris deux fois plus de temps au lieu de 8 minutes, peut-être 16 minutes quoi. Bon, un peu plus en vrai, peut-être. J'ai l'impression que c'est certainement un peu plus. Mais bon, il faut bien ça, hein. Il faut bien ça pour tout fouiller. Pas de coffre, ah, ça y est, ils ont plus envie. Ça y est. Mode Fist Activated, c'est ça ?
1500. Sûr. Quand je dis des choses comme ça, c'est pas parce que c'est ce que je pense, hein, mais c'est surtout pour... c'est juste que j'essaie d'avoir la foi, quoi. Ouais, un peu en sens un peu rigolade, en mode... oh, peut-être que si j'y crois vraiment, j'ai plus de chance, quoi. Ouais, évidemment que non. Mais c'est bien, c'est des tests de foi, un peu. Faut que j'ai confiance, un peu. Enfin, vous voyez, enfin, j'espère, vous voyez, que je sois optimiste, que j'imagine le bon. Ça m'entraîne, quoi. Diamant indien, il était là, le 1500. Yes! Oh, yo, 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 yo. 1500 diamants indiens. Oh, voilà. Ça loot, hein. Ça loot très, très gros, là. Faut se rendre compte, hein. Bon, je peux partir d'ici maintenant, ça m'intéresse plus. Je crois que c'était là où j'ai la suite. Parfait, je pense que j'ai peut-être tout fouillé à peu près. Ça devrait être approximativement bon, on skip. Si t'insistes, tu vas le regretter. Les assassins peuvent pas venir. Y'a personne qui vient. Putain, je suis trop bête. Bim. J'étais full concentré sur les assassins du coup, mais évidemment que c'est une mauvaise idée puisque bah de toute façon ça marche pas. Et de toute façon j'en ai pas besoin, hein. Quand on y réfléchit bien. Même sans bien y réfléchir d'ailleurs. Oh. Bim. Magnifique. Suivant. Ils font pareil à chaque fois. Oh, heureusement que j'ai eu le réflexe de m'accrocher. Non, mais quelle bande de connards. Bah ouais, non, mais c'était sûr. Ah, ça me saoule. Ah, c'est vraiment casse-couille. Hein. Là, pour le Spiren, il aurait fallu aller là. On était sûr. Hein. Ouais, c'est largement mieux. Je le savais. Je l'ai senti, ça. Hein. Et là, il y avait là, qui était encore plus simple. Et après, tu montais là et... Ok. Je l'avais senti, mais bon, c'est pas grave. Faut pas qu'il me fasse comme dans le speedrun à tomber. Tu vas mourir. Nickel. Bah, je pense qu'on est plutôt bon. C'est parti, c'est terminé. Rien là comme... Non. Il aurait pu avoir un petit chemin. Ouais. Je les connais, ces petits filous. Encore, c'est un jeu où tout fait toujours la même taille, tout est tout le temps pareil. Il n'y a pas de chemin... Il est vraiment juste à l'argent. Mais il n'y a pas de petit passage à la Tomb Raider où tu dois te mettre sur le côté. Donc les choses très discrètes, normalement, il n'y a pas. Normalement, on est vraiment tranquille, quoi. Ok, parfait. Je peux fouiller mes petits trésors d'amour. C'est nul, c'est normal, hein. La récompense finale est plus mauvaise vu que c'était un peu distillé tout le long. Non, je pense que c'est la même qu'aux autres endroits. En vrai de vrai, je pense que c'est pareil. Je crois que ça a l'air quand même moins bien, dire qu'il y a beaucoup moins d'objets, beaucoup moins de tout. La bague, c'est pas mal quand même. La bague, je prends. Let's go! Longue VOD, hein, mine de rien, malgré tout. Malgré tout. C'est un jeu qui a beaucoup de... En fait, il y a tellement de... C'est un jeu où il y a tellement de petits trucs. Plein. Je sais pas. C'est pas forcément... C'est dingue. Ça dure tellement plus longtemps, du coup. Il y a plein de types de trucs à faire qui est pas principal dans l'histoire. Et ça, plein de... Ça m'a fait mal, le 50, j'ai mon cœur, il a... Non, c'est bon, on l'a fait avant. C'est bon. Mais il y a plein de milliards de petits... Petits trucs, de petits menus un peu partout, Leonardo, vous voyez, qui peut vendre ses trucs, les défis qui donnent des trucs, des missions qui donnent des trucs, des trucs qui donnent des trucs, partout, tout le temps. C'est vraiment chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Là, bah, il en reste plus que un. C'est plutôt pas mal, je vois que ça m'a pas donné de pourcentage
ici, à moins que j'avais regardé le pourcentage après avoir fait les speedruns, justement. Ce qui ferait sens, mais je crois pas, donc je trouve ça un peu bizarre. Bah c'est parti, on va prendre ce petit point. Il me servira jamais, parce que jamais on, je pense qu'on se téléportera particulièrement là-bas. Hormis si après je veux remonter, c'est, si c'est le plus efficace. Mais... les chances sont quand même assez minimes. Hein. Oh, il y avait un voleur, il a disparu, il était trop loin. Quel filou. Il faudrait trouver une banque absolument, effectivement, parce que là, ça va commencer à être rempli. Là, ça va être compliqué. Hein. Faut trouver une banque avant de faire la prochaine tanière. Là. Bon, allez, on... Eh, oh, voilà, tu me laisses partir. J'sais pas que ça a peur, moi. Oh. Non, mais oh. Malade ou quoi? Le problème de ce jeu aussi, c'est que l'herbe, en fait, ça fait vraiment... En fait, la texture, l'air, tout ça, c'est trop... Oh là là. C'est tellement pile ce qu'il faut pas pour le streaming, en fait. Pour la pixelisation. C'est vraiment exactement tout ce qu'il faut pas. C'est typique. Typique, il faut pas ça. Donc c'est malheureux pour les pixels, ouais. Parce que c'est un jeu qui est vraiment plus beau que les autres Assassin's Creed qu'on a pu faire jusque-là. Il y a vraiment quelque chose en plus. Donc ouais. Ok, contrat. Non... Non. Non. Oui. Ça suffit, évidemment. Comme ça, ils se servent entre eux. Magnifique. J'apprécie énormément. C'est 700 florins. 800. Allez, on va chercher. Mille et quelques qu'on va chercher. On va falloir commencer à prendre tous les trucs qui sont au-dessus de 500 tout simplement parce que... Sinon c'est un peu chiant. Je pense que c'est ça, hein. Tous les trucs au-dessus de 500 à peu près. Va falloir. Quoique là il y a plein de 1000 donc j'ai bien fait de pas faire du coup. Voilà, c'est vraiment pas mal. 700 et quelques, intéressant. Ouais. Oula, oh le bug. C'était complètement cassé là. 700 et quelques, allez on va chercher encore. Et du coup l'histoire ça fait vraiment, ouais ça bombarde de missions quoi, du coup ça en fait des milliards par truc. Elles sont toutes répertoriées vous pensez? Ça a l'air, hein, vraiment. Ok, bah je sais pas si c'est infini du coup, hein, vu, qu'il y a une vu que c'est répertorié, c'est enregistré dans un historique. Ça m'étonne, hein. Ou alors il y a la même mission qui peut revenir et du coup elle se recompte pas en double par contre. C'est assez spécial, je sais pas trop. Je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas du tout. Bientôt 15 000, en tout cas c'est comme dans le 2, hein, je me posais la question, hein, j'avais l'impression que ça allait être beaucoup plus, mais non. Et comme dans le 2, la limite c'est 15 000. Quand t'as vraiment tout, tu gagnes 15 000 florins par 20 minutes. Comme dans le 2, 26 000, ouais, non, mais s'il faut, la moyenne, elle est même en dessous de 30 000, hein, je suis en train de me dire. Et donc, j'ai largement assez d'argent pour tout acheter. Donc là, tout l'argent que je gagne, ça va être pour l'armure, quoi. Les armures, les tableaux, les ceintures. Donc, en tout cas, on sait que là, je vais pouvoir tout acheter, c'est bon. Après, j'ai bien fait, parce que je sais que j'avais laissé mon PC tourner pendant tout le temps que j'avais mangé, plus un autre petit moment. Et je pense vraiment que c'était nécessaire pour se sentir bien, vraiment. Sinon, là, j'aurais juste dans les 100 000 et quelques, quoi. J'ai vraiment... Ça a vraiment farmé un petit peu, quoi. Je pense que j'ai bien fait. Ok. Bon, c'est un peu secondaire ce qu'on fait, mais c'est pas très grave. Voilà, on va prendre ce point. Après, on va directement faire ça, ça, et on revient. Et après, le trésor. Et on aura normalement toutes les tours de Borgia également. La map découverte à fond, donc... ça fait indirectement un peu autre chose en même temps. C'est plutôt pas mal. Ça nous permet d'y voir plus clair aussi, donc on sait mieux où on en est. Non, c'est vraiment bien. Oh non, je les ai appelés! Oh non! Ah, le dégoût, je voulais surtout pas faire ça. Ah, il faudrait... Voilà, très bien. Non mais très bien. Regardez. Il faut qu'elle vienne, là. Ah, des femmes à poil qui courent! Incroyable. Ils courent en pleine campagne, en pleine nuit. Il doit faire froid, hein. Je vous laisse faire. Je
Je sais que ça fait partie d'un défi hein, de faire diversion. Donc quitte à avoir payé dans le vide, sans faire exprès. Autant avancer le défi. Tac. Non, Ezio, mais putain, mais... Quand est-ce qu'il en aura marre de faire des conneries comme ça? Ah, fallait une doublette, c'est malheureux. Ah, c'est... Le jeu, il était totalement cassé, là. J'ai rien pu faire. J'ai même pas pu faire autre chose que je voulais. Enfin, c'est dommage. C'est vraiment mon truc préféré, mais de très très loin, de pouvoir... L'exécution avec le tir, ça rajoute vraiment un petit truc. Hein. Moi, ça me fait kiffer, quoi. Eh, ils sont toujours divertis, du coup, ils sont pas venus pendant le combat, ah ouais. C'est-à-dire que même si on tue toute la map, les mecs s'en foutent. Oh, ils font des trucs bizarres, ils essaient de montrer leur vagin, faire des trucs bizarres. Ok, c'est terminé. Eh, ça a pas duré un an, du coup, il les suit. Mais non. Ah non, j'ai cru qu'ils allaient... Du coup, ça veut dire qu'ils... Mais si c'est ça, indirectement, ça veut dire qu'ils partent faire ce qu'on imagine, hein. Mais c'est fou, ça me détruit. Vous vous rendez compte? Ah, elles ont disparu du coup, vu que j'ai tourné la tête. Ok, non mais c'est dingue. Non, je pense que c'est du hasard, Je pense qu'ils t'ont juste bougé avec leur ronde. Mais un hasard quand même, vraiment magnifique. Alors là, on peut pas dire le contraire. Ok, médecin, mais c'est pas un médecin que je peux acheter ça. C'est un médecin nul à chier, ça. Ah, ça avait pas pris le coffre, j'avais cru. Oh. Un cadavre. Ouais, un cadavre, c'est... Non, c'est pas moi, c'est vraiment pas moi. Je vois pas ce qu'il vous fait dire ça, c'est pas parce que je fais des trucs bizarres à côté des cadavres que tout de suite, ça veut dire que c'est moi, en fait. Je comprends pas. C'est quoi cette... C'est quoi ce racisme? Raciste envers les assassins, quoi. Bon, non, mais vraiment dingue, quoi. Non, allez, s'il vous plaît, quoi. Arrêtez. Ok, bon. Muraille un peu insupportable, faut faire tout un tour pour passer. Ça fait peur, ça fait mal. Ok. Allez, faut faire du double assassinat hein, pour les quêtes. On fait plusieurs trucs au passage. Ah, il n'y aura pas de double. Hein. Et il a même pas fui, il s'en fout. Il a cru qu'avec ses mouvements rapides, il allait me perturber. Non, mais... Il y a cru. Hein. Quelle ignorance. Ouais. Rien pouvoir monter sur la droite. Ah allez hop. Sinon, s'il y a un marché juste là, on dirait. On pourrait aller le faire. Ça fait 2-3 petits détours. Mais. Bon. C'est assez au passage. C'est le seul moyen. Hein, sinon, on n'y a jamais été au passage. Donc. Qu'à un moment donné, on en a marre quand même. Bon là, le mec risque de fuir, ça fait peur. Ok, je l'ai vu en haut. Il a apparu 2 secondes. Ah, il est vraiment en haut, mais le type en haut. Ah ouais, j'avais pas imaginé ça. Oh, ah, c'est cool. Ah, c'est une très bonne nouvelle, ça. Ah, waouh, c'est trop cool. J'aurais jamais pu rêver mieux. On sait pas que ça existait, ça, carrément. Parfait, ça grimpe très très vite. C'est clairement la meilleure tour du monde, là. Elle est trop cool à grimper, tout est... Non mais c'est excellent. Les mecs ont même pas réussi à me gêner tout, c'est excellent. Le mec m'a même pas vu. Oh non, j'ai pas pu le fouiller du coup ici. Aïe. Et le cadavre, il aura disparu j'imagine vu qu'il va sauter. Je vais essayer de remonter mais... Ça sent pas bon.
Heureusement que c'est une tour où c'est très rapide de sauter et tout ça, mais... Ça sent vraiment pas bon du tout. Oh, petit coffre! Allez, c'est parti. Meilleur tour du monde, elle s'escalade trop délicieusement, c'est très... Ah, j'aime énormément. C'est délicieux. Bon, je suis sûr qu'il est plus là. Hein. Voilà, ça... Ah oui! Oh non, mais d'accord! Ah, c'est-à-dire que c'est même plus la même tour, en fait. Ah oui! Ah, d'accord, je vois le lore, oui. Très bien, très bien. Je savais même pas que ça changeait le design des tours, j'avais jamais remarqué. Tac, merci femme. Rappelez-vous, je crois que c'est dans le 2. Hein. Je vous l'ai appris. Se servir des femmes pour leur sauter dessus. C'est une tactique ancestrale, voilà. J'en avais déjà fait part. À faire dans la vraie vie, vraiment, à essayer. Ouais, vous mettez sur le toit de votre bâtiment ou d'un autre bâtiment, je sais pas, comme vous voulez. Et... Vous sautez tout en haut. Et... L'objectif est de tomber sur une femme. Normalement, ça amortit. On est censé être immortel avec cette tactique. Ne pas mourir. À ne pas faire, évidemment, ne faites pas ça. Si vous avez 8 ans, par exemple, et vous êtes en train de vous dire « Ah ouais, c'est quand même peut-être une bonne idée. » Non, c'est pas une bonne idée. Vraiment, faut pas faire ça. Faut pas faire ça parce que ça tue. Ça tue la femme, et vous aussi. C'est dommage, quand même. Elle a rien demandé, ou pas. Elle a certainement demandé quelque chose, peut-être qu'elle mérite. Il y a de fortes chances, mais quand même, dans le doute... Dans le doute, ce serait dommage de prendre le risque. Voilà, je vous recommande de pas essayer. Super, alors, il y a quelqu'un, j'espère que c'est une femme. En parlant de femme. Non pas pour lui sauter dessus, mais pour que elle saute sur des gens. Ça va être un homme, ça va être trop longtemps, là. C'est une femme? Oh, yeah, j'ai que des femmes, maintenant. Ah, mais j'ai que des femmes, maintenant. Ah, mais c'est trop cool. On va se faire annihiler, c'est très mauvais, ça. Ok, j'ai voulu trop la défendre, du coup, je me suis fait le coup. Tu la tues pas, mon gars, jamais. Encore la même voix? La libération de Rome a commencé. Votre cause, c'est aussi la mienne. Je suis prête à sacrifier ma vie. Nouvelle voix, je crois. Pas mal, pas mal. Merci beaucoup, madame. Merci. Très sympathique. Elle a... Oula, elle a une grosse hanche, quand même. Hein. C'est... Waouh. Dis donc. Bon bah, c'est pas mal, cette beauté. J'aurais jamais pensé qu'on aurait autant avancé, même dans tout ça. On investit tellement. Là, avec les choses qui restent à acheter, je suis en train de me dire qu'en fait, on va gagner plus que 15 000, en fait. C'est plus que 15 000 qu'on gagne. Mais en même temps, ça a pas l'air d'être 20 000 non plus, c'est impossible. À moins que quand on a vraiment tous les monuments, d'un coup, ils décident de donner beaucoup. Du coup, ça arrive à 20 000. Mais là, vraiment... Oh là 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 là, j'ai assez d'argent pour tout acheter, ouais. C'est dans le jeu, ça y est. Hein. Sauf peut-être certaines armures et tout ça, mais ça va arriver. En avançant, en faisant les quêtes, il reste 32 quêtes de guildes, tout ça, bon. Je pense qu'on a bien compris que ça va se faire. Petit à petit, laissez-moi penser que, bon, il y a quand même moyen. Ok, on va aller construire des voleurs ici. On va aller là, construire ça. On va aller là. Oh non, ou alors... Non, on va directement aller par là d'abord. Ok, ok. Oh, il y a tellement de trucs à aller acheter là-bas en plus. Waouh. On avance tellement plus que ce que j'imaginais. Oui. Oh, la banque est déjà... Ah, on a quasi... C'est 14 944. Bah, ça va dépasser les 15 000, ouais. Très intriguant. Très, très, très intriguant. Ça va peut-être les dépasser avec ça, d'ailleurs. Et on dirait qu'il n'y a pas encore d'eau ici. C'est bizarre, mais ok. Donc plus de 15 000. C'est officiel. Ça y est. C'est comme ça que j'aime travailler. De rien, mon gars, de rien. Où sont les autres aqueducs? Parce qu'on dirait qu'il n'y en a pas. Non, mais c'est maudit.
On les voit pas tous. C'est véridique. Hein. Y a un problème là. C'est très bizarre. Alors visiblement le truc de téléportation là-bas je l'avais déjà. Je sais pas du tout comment ça se fait. J'y avais certains... Ah l'aqueduc. Ah bah oui c'est pour ça. Ok les deux autres aqueducs, les derniers à récupérer ils sont ici. Ah ouais il y a les deux côte à côte. Comment ça se fait que c'est aussi proche. Et il est de l'autre côté. Bah c'est parfait on aura tous les aqueducs et tout ça. Non mais ça avance trop bien. Mais là il est entier. Ah oui ah oui. Je me souviens pour l'avoir celui-là il fallait le réparer justement. Et je pouvais pas à cause de la tour de Borgia. Ah ouais, ça avance une trop bien là. Comme je les aime. Adieu. Et non, je crois pas qu'il y en ait deux côte à côte. J'ai confondu avec le logo de faction, non? Oh, très c'est sûr, c'est sûr. Admettez-le, vous mais êtes ça arrive à quoi? Je ne suis pas ivre, non. Arrêtez de m'embêter là. Bon, ici, je crois que c'est les voleurs. Normalement. J'espère que je me trompe pas. Il y a certainement un autre trou d'aqueduc qui va m'être dévoilé avec, avec la vision. Hein. Assurément. Bon, d'abord, on va tout acheter. Même si je pense que s'il faut le fait de voir le point, ça va me mettre d'autres marchés. Donc, j'aurais peut-être dû le faire après. Oh, c'est tellement jouissant de tout acheter. Et de pas avoir, sentir l'argent baisser, du coup, avec tout l'argent qu'on a. La sensation est vraiment excellente. Quoi. J'ai tous les forgerons, ça y est. Donc je vais peut-être pouvoir commencer à acheter les armures et tout ça. Hein. Pour améliorer, agrandir la taille de la terre, j'ai donc moins de pixelisation encore. Ça aiderait beaucoup avec ce jeu qui a des problèmes avec ça. Oh là 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 là. Ah la banque, dommage, je voulais regarder quelque chose avec la banque, mais bon. De toute façon, j'ai acheté plein de trucs, c'est mieux de regarder après, mais. Laissez-moi vous soigner! Hugo m'a prêté une relique de Sanfredia. Quartier rénové à 75%, c'est très très cool. Bon bah plus qu'à grimper maintenant, comment on fait? Comment on avait dit qu'on faisait? C'était à partir de là-bas je crois, non? Alors je peux ici directement? Je crois pas. Hein. Je crois qu'il fallait vraiment aller loin là-bas. Pour monter dessus, ou loin là-bas. Je crois que c'était à gauche. Voilà. On a beaucoup cette musique là en fond, je la kiffe. Celui-là, il n'a peur de rien. J'ai l'impression qu'il y a un détecteur hein, dans les Assassin's Creed qui... Où le jeu, il capte un petit peu où est-ce qu'on en est du 100% et après, il nous met tout le temps des musiques cool. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc, quoi, avec tout ça. Je vais essayer d'aller là. Apparemment, ici, il a été réparé. Je crois que c'est par là hein, pour monter. Hein. Avec cette tour. Clairement. Bah, c'est parti. Fallait d'abord y aller pour après revenir. Je suis désolé, ça n'a pas trop de rapport avec les tanières, mais bon, c'est au passage. Et moi, voilà, c'est le passage. Hein. Tac, c'est la fameuse tour en plus qui est très rapide à escalader, donc ça c'est une chance. Hop, on peut directement y aller à partir de là. Trop cool. Oh, le long chemin trop stylé. Là, on sent qu'on est sur du 100%. Quand t'arrives à monter sur l'aqueduc comme ça, c'est tout celui-là. Hein. Oh là 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 là. Quel plaisir. Ah, mais il y avait une échelle depuis le début. Oh, putain. Bon, on pouvait pas y aller quand même, hein. Je crois qu'il fallait, réparer. Oh là, il y a plus de... Oh, le bug. C'est le shader, ça, il avait jamais... Ah ouais. Ah ouais, non. Bizarre, surtout que la source, elle vient de là. La source n'existe pas, en fait. On nous ment depuis le début. N'inquiétez pas. C'est l'animus qui est buggé, hein, tout simplement. On va totalement mettre ça sur le dos de l'animus, hein. Bon bah ok, mais du coup il manque vraiment un aqueduc. Je vois pas du tout où est-ce que ça peut être. C'est vraiment trop bizarre. Parce que le dernier point qui reste c'est là et ça ne concerne pas du tout les aqueducs. C'est étrange, faudra enlever tous les points un jour et aller vérifier ça. Hein.
Ok, bah on va juste aller là, et après on va à la tanière, et c'est bon. Ou alors on va là d'abord pour l'acheter. Ah, je suis désolé. Ah, j'ai envie de mourir. Ah, mais du coup, quand c'est rénové, ça veut dire que j'ai même tous les monuments, même. Donc là aussi, en fait, j'ai tous les monuments partout. Ah, c'est peut-être extrêmement cool, ça. Du coup, c'est le dernier monument qui me reste à acheter, ça, concrètement. Non ? Dernier ou avant-dernier ? Non, j'ai jamais voulu faire ça. Oh, putain, heureusement qu'il y a de l'eau, mais... Oh là 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 là. Le petit malin qui s'est amusé à voler la statuette de la Madonna qui était placée dans la niche au-dessus de l'échoppe du fond. Ah bah, ah bah. Ah bon bah ça tombe bien hein, le 100% encore qui... ça va bien m'aider Ah ouais. Ça évitera de chercher au final hein. On perd du temps maintenant, on peut en gagner tellement plus après au lieu de chercher, là on n'a pas cherché, on est tombé dessus. Pas mal, hein, je prends. Allez, allez, allez. Ça fait 6 ans qu'on n'a pas fait de tanière, là, non? Ça fait pas 3 ans et demi, à peu près. Est-ce que ça fait pas 5 ans? 7 ans et demi? Peut-être, un petit peu, hein. Aïe, 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 aïe. Quelle filouterie, quoi, quand même. Hein. Ça va, c'est court. C'est beaucoup plus petit que ce qu'on imagine, donc ça passe. Ici, je me souviens que je crois qu'il y avait un drapeau que j'avais peut-être pas récupéré. Terme de Trajan, c'est la première tanière du jeu. Hein. On nous fait découvrir à 100%, on n'a pas le choix, dans l'histoire principale. C'était ici. Vous voyez, on reste dans l'ambiance des tanières. C'était une tanière, ici. Imaginez-vous que c'est comme si qu'on était venu. On fait semblant que c'est comme si qu'on est de l'affaire, du coup, maintenant. Non ? Trouvez pas ? Ok, ouais, ça coûte très peu cher. Non, mais l'argent, c'est dingue. J'aurais jamais dû laisser le PC tourner, en fait. Hein. Terme de Trajan, acquisition. C'est complètement dingue. Bah, on va là et on aura... Oh là là, cette région qui a été assez problématique, qui n'évoluait pas, bah là... C'est bien... Oh, c'est trop cool. C'est trop trop cool. Je suis content parce qu'il n'y aura pas tant de montage à faire que ça sur cette VOD. Ah, il y en aura un peu, hein, mais pas autant que les autres VOD bonus et DLC. C'était assez compliqué. Hein. J'ai fait quand même pas mal de cuts pour tout rendre bien plus propre, bien plus... mais sans rien rater. Voilà. Vous ratez rien hormis les trucs qui servent à rien. Donc soit les retries vraiment très peu intéressants, voire pas du tout... Ou des petits chemins des fois en trop, voilà, mais... Chaque coffre récupéré, chaque plume, chaque drapeau, tout est là. Rien n'est supprimé. Ça, c'est quelque chose où je mets un point d'honneur là-dessus. Vous voyez tout. Vous pouvez tout voir, tout retrouver. Au final, il y a dans toutes les VOD de chaque jeu, il y a tout. Voilà. Bon, c'est bien les voleurs ici, on est d'accord, hein. C'est des voleurs. Je sais toujours pas comment me servir du parachute, c'est génial, il va falloir que j'apprenne avant de faire les défis où je serai obligé de m'en servir parce que là ça va commencer à être compliqué. Hein. Très bien, très bien, très bien. Bah c'est parti. Région qui n'avançait pas beaucoup, et bah là... Ce sera de la folie ce qu'on a fait, puis on a vu que ça prend pas tant de temps que ça finalement, en réalité, sur le long, en vrai de vrai. Ça a été vite de tout faire important, on dirait qu'il en manquait beaucoup et tout ça, mais... Bah, et puis c'est vrai que c'est une région très vite quand même, on l'a vu, hein, comparé aux autres, il y a zéro logo à côté, hein, en comparaison tout ça, donc... Bon, où est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut aller en haut? On dirait pas, mais... Ouais, non, c'est pas en haut. C'est pas en haut, c'est pas en haut. On dirait qu'il faut aller dans un souterrain. Faut descendre, faut trouver un trou, je pense. Il y a une banque, c'est très bien. Bon, on va observer un peu ce que nous dit la banque. Nous sommes fiers de proposer des articles. Donc, déjà, on peut retirer. Livre de compte. Relevé. On voit que les échoppes, c'est la folie. Les monuments, ça ne rapporte rien. Donc, échoppe, j'ai tout.
mais il me manque tailleur, marchand d'art. Et rénovation. J'ai 3 tchaks, donc il y a vraiment 3 par endroit, c'est magnifique. Il manque une écurie, un truc de téléportation et un aqueduc. Les aqueducs, on voit que ça rapporte pas tant que ça, effectivement. Les monuments. Oh là, il en reste beaucoup quand même, 5. Ah, mais ça compte pas dans la rénovation, c'est juste de l'achat. Ok, ok, ok. Donc ouais, j'ai largement l'argent de tout acheter, même les armures et tout ça, hein, c'est bon. Les remises, on a des remises max sur tout, sauf marchand d'art peut-être. Et les investissements, on n'a pas le droit d'en faire, on n'est pas en ligne. Il ne reste que le marchand d'art, mais c'est parce qu'il reste que le marchand d'art. Non, le tailleur. D'ailleurs, l'économie est maximale. C'est spécial. 15%. J'achète rien tant que j'ai pas tous les trucs. Et j'achèterai chez moi, je pense, pour être sûr qu'il y ait vraiment la réduction qui est appliquée, parce que j'ai pas confiance. Et oui, j'ai pas confiance. C'est malheureux, hein. Mais je n'ai pas confiance. Ok, donc c'est peut-être là le trou, hein. Non, non, non. On ne voit pas ça tous les jours. Bah oui, elle est heureuse, enfin, quelqu'un d'heureux de voir tout ça. C'est pas là, hein. Voyons-nous finir avec ces tyrans. Ils nous ont assez humiliés. C'est pas là, c'est pas là. Qu'est-ce qu'on voit de là-haut? Au centre. Ah, il y a un trou au centre, c'est sûr. Ou alors l'entrée est justement tout simplement là, mais sans être plus basse. Bah oui. Évidemment. J'aurais pu y penser plus tôt. Tac! Allez, yes! La dernière! Ah, j'ai tellement hâte d'avoir l'armure et tout. Ça va être dingue. Un défi facile, s'il vous plaît. Pas de speedrun aussi, s'il vous plaît. Ne perdez pas plus d'un carré de santé. Ok, ça m'arrange. Comme ça, on leur fait pas deux fois. Donc, vu que c'est des mecs qui font pas beaucoup de dégâts, normalement, il faut qu'ils mettent 3-4 coups pour enlever un carré. Je suis immortel, hein, clairement. Là, j'ai bien sorti l'épée d'avance. Histoire de pas me faire avoir, hein. Intéressant, on pourra venir de là-bas. Ok. Oh, la musique, ça fait bizarre d'entendre ça. Tellement de souvenirs avec tellement de trucs dans ce jeu. Ici. Non. Donc ça veut dire que il y a une map bien plus grande que ce qu'on en a l'impression, hein, pour l'instant, ça veut dire. Drapeau ici. Ok, donc on a vu le premier. Enfin, j'ai envie de dire, ça commençait à faire beaucoup là. Excellent. Excellent. 1 sur 3. Prions pour en rater aucun. Est-ce que j'en avais vu un autre? Non, c'était un coffre que j'avais vu, hein, sinon. Hein. Il fallait tomber de... Il était là, hein. Il était au bout, là. Ah, c'est un endroit que... Ok, on ira après. Ça m'étonne, mais on ira après par encore plus haut, je pense. On va encore monter un étage au-dessus en avançant ici. Oh là! Raccourci! Pratique, pratique. Je sais comment remonter. Wow! Ça aussi c'est pour le remonter? Non. Ah peut-être, hein, ça doit marcher. Hein. Si je tombe, ça me sera utile. Bah, ils ont mis deux raccourcis côte à côte, limite. C'est très proche, hein.
Ok. Pour l'instant, on ne comprend pas pourquoi il ne faut pas perdre de carré. Ce sera à la fin qu'on comprendra, à la toute fin. Donc là, ça y est, ça commence. La map à se complexifier. On a l'avant-dernier drapeau. On a un coffre ici. Terrible. Bonnement abominable. Ok, est-ce qu'il suffit juste de monter calmement? Non, hein. Non, non, il faut venir de là-haut. Ok, il y a tout un truc. Il y a tout un truc, c'est pas si facile. Par où on monte déjà à la base? Faut juste faire ça. Non. Pour l'instant, je sais pas du tout par où monter. Ça grimpe ça. Pas ça. Ça se grimpe pas. Ouais, ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait que. On dirait qu'il faut monter par là pour pouvoir faire quelque chose, mais non, même pas. Attendez. Je peux faire ça? Oh! Oh, j'aurais pas pensé! Si je pense que c'était vraiment ça. Non, 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 ça me paraît vraiment bizarre. Je pensais que c'était ça qu'il fallait faire pour aller à la suite. Étrange, non? Bah, ça a servi à rien en plus. Je pense qu'il fallait que j'appuie pour m'accrocher. Ça m'étonne, hein, tout ça. Ah ouais, c'est vraiment, fallait rester appuyé, c'est une nouvelle feature, j'en avais jamais vu ça. Mais pourquoi il a lâché? Allez, le jeu, il continue, hein, il continue, il continue. Il fait pas d'effort, hein, vraiment. Je comprends pas pourquoi il a lâché, il a jamais lâché comme ça. Le nombre de bugs qu'il y a déjà de déplacement, on va pas m'en rajouter, quoi. Ok, c'est bon, il lâche plus, hein. Heureusement, quand même, parce que... Heureusement, heureusement. J'ai l'impression d'avoir fait une erreur, c'est terrible. Pitié que le drapeau était pas là au sort, il était très très proche. Non, ça va, il faut remonter. Je suis rassuré. Parfait. La caméra qui m'aide pas du tout, mais heureusement, on gère, on est un pro. Sympa, en vrai j'aime beaucoup le level design, j'aime bien la map, c'est la map la plus cool, c'est vraiment simple, c'est... Pour les gens qui font pas les 100%, c'est vraiment, vraiment, vraiment nul quoi. C'est très simple. Donc, je pense que ça les arrange bien quoi. Ok, j'essaie de descendre. Qu'est-ce qu'on peut observer ici? À part rien. Bah écoutez, rien, un plaisir. Hein. J'espère que vous avez kiffé. Allez, c'est parti. Oh, oh, oh. Stylé, hein. J'aime bien quand les jeux sont movibles. J'adore quand il y a des choses qui bougent. Ça, c'est un truc... Dans les jeux, ça me plaît beaucoup. Ok, on a l'autre drapeau. On a l'autre drapeau. Je vois pas du tout comment je vais pouvoir aller là-haut. C'est après, je pense. À mon avis, ça doit être bien après. À moins qu'il faut vraiment... Ah, ça va être... Ah, direct, c'est comme ça, là? Ah. Ah. J'aurais pas pensé que ce soit aussi facile. Ça paraissait super dur visuellement. Ok. 57 drapeaux. Propre. Hein. Normalement, on a tous les drapeaux de toutes les tanières. On va le vérifier maintenant. Mais je pense qu'on est super bien. Je pense pas que ce soit là qu'on puisse le voir. Un drapeau de Borgia. Non, là, c'est pas ici. C'est dans le lieu secret. Lieu secret.
Non, c'est pas dans le lieu secret. C'est vraiment dans mémoire additionnelle. Hein. Ah voilà, il y en a deux, lieux secrets. Allez, j'ai des tous. Ouais, donc on a tout pris dans les lieux secrets. 18 drapeaux, mine de rien, c'est énorme. Hein. C'est vraiment énorme. Bien sûr. Bon, on est bientôt à la fin de la map. En vrai, en mode vrai jeu, quasi speedrun, hein, mon vrai mode de jeu, moi. La façon que j'ai de jouer, ça va aussi vite que du speedrun, qu'un vrai speedrun, mais tu connais pas le jeu, mais tu sais pas pourquoi, t'avances trop bien, vous voyez ce que je veux dire. Lors du speedrun, le mec il connaît rien, il c'est quand même méga propre, quoi. Bah, ça irait super vite, hein. Ça irait super vite si je jouerais normalement, si je fouillerais pas. Mais bon, comme je suis un joueur de 100%, j'ai pas un joueur de 100%, je fais des milliards de jeux, hein. C'est dingue, hein. J'en ai fait beaucoup, hein. J'en ai fait des milliers, hein. Mais j'en aurais fait des dizaines et des dizaines de milliers. Hein. Magnifico. Pénétrer dans le tombeau de Romulus. C'est pas là où il y a l'armure quand même. Si par chance j'étais dans le dernier où il y a l'armure, non. Non, non. Non, parce que le trésor il est autre part. Hein. Moins que l'armure soit ici par exemple, le trésor et l'épée, par exemple l'arme à l'autre endroit. Oh, vous savez ce qui m'inquiète? Il faut pas prendre de dégâts. Et là va y avoir beaucoup d'ennemis. Je vois qu'il y a des feux de camp encore allumés. Il va y avoir une invasion d'ennemis. Il suffit qu'il me jette des milliards de couteaux. Et c'est perdu. Ça fait tellement peur. Et... Ouh, tête réduite. Et beaucoup d'argent. J'avais pas pensé qu'il aurait été là le coffre de fou. Oui. Y a rien. Ah si, y a quelque chose. Se ravitailler en munitions. Oh, ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon du tout. Ça va être la guerre. Non, non, pitié, j'en supplie, je vais galérer. Je souffre déjà. Ah. Ah non, c'était juste... non, ça va, c'était juste pour activer ça. Il y en aura plus loin, et plus loin, là, les mecs vont arriver. Ou en trafiquant des trucs. Oh. Ah, c'est plus complexe que ce que j'imaginais, l'endroit. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Le moment où ils vont me tomber dessus. Ça va faire tout droit. Là, c'était pas là, j'avais l'impression. Ah, c'est là. Ok, j'avais été un peu plus loin. Rassurez-moi, j'ai pas fait échec sans faire exprès. Ah non, c'est bon. Du coup, j'avais sauté trop haut d'un endroit comme un malade. Et ça m'aurait fait perdre. J'aurais été dégoûté, hein. Checkpoint. Oh, mais c'est énorme. On avait l'impression d'être à la fin et en fait on n'y est pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Wow. Ok, ça va. Ça paraissait dur et au moment où on est en mode ah d'accord, on va de la map et c'est l'abus. Et ben en fait on nous montre un truc et très rassurant quoi.
Donc ça va, je suis rassuré. Ils m'ont très vite rassuré. Tant mieux. Oh, c'est un peu loin quand même, mais... Je le suis malgré tout. J'imaginais vraiment pire que ça. Vraiment, vraiment. Oh, me faites pas frayeur, s'il vous plaît. Me faites pas croire. Parfait. Si je tombe, je passerai par là. Oui, mais ne faites pas semblant qu'il y a des ennemis qui vont arriver, quoi. Ça m'a donné l'impression qu'il se passait quelque chose. Quelque chose qui m'aurait pas plu. J'en supplie, me faites pas peur. Cette musique me fait penser à une musique d'un autre jeu, mais alors lequel? J'ai déjà entendu une musique un peu comme ça. Alors pas sur les aigus, mais sur les voix graves. J'ai déjà entendu ça. Je vois pas du tout encore comment la voir, hein, qui était en bas, vous vous souvenez là, dans cette gigantesque salle, hein, mais en bas. Bon, ouais, non, bon, allez, je vais la faire legit, mais je suis sûr qu'il y avait moyen de trafiquer quelque chose. Hein. Non, oh, je l'ai senti. Oh, oh, oh my god, oh my god. Waouh! Ah! Ok, j'avais pas imaginé ça comme ça, mais. Ah! Quel filou! J'avais imaginé que ça aurait explosé la porte, mais je pensais pas que ça aurait été la croix qui l'aurait fait. Donc, ça, c'est une bonne surprise. Et là, on va se faire attaquer, évidemment. Avec le risque de PV soit à la toute fin, histoire de devoir tout recommencer, non? Surtout que là, du coup, j'ai plus l'habitude de me battre. Allez-y, mettez-les-moi, quoi. Faites-moi pleurer. Faites-vous plaisir, quoi, régalez-vous. Bon, on va peut-être pouvoir y aller d'en haut, mais il était là, le coffre. Ah non, mais c'est la salle secrète, justement, elle est en dessous. Je pensais qu'elle était en haut. Elle est en dessous? Ah! Ah ouais. Excellent. Pitié qu'il n'y ait pas de guet-apens en bas juste parce qu'on va chercher les trésors. Hein. Oh non, c'est... Pourquoi ils auraient mis ce défi s'il n'y aurait pas d'ennemis? Je comprends pas, c'est ça qui me fait peur. Oh là! Attention avec tes bruits, Ezio, tu me fais peur. Beaucoup de peur, beaucoup de peur. Calmons-nous, calmons-nous. Tout va bien se passer. Ouais, même pardi, personne va me tomber dessus quand même. Oh, imaginez-vous, ce serait n'importe quoi quand même. Pourquoi est-ce que ça arriverait? Lingot d'or, pas mal. Je me disais qu'il fallait récupérer le truc en haut d'abord parce que la sortie serait ici. Mais je m'en fous, j'aime bien moi faire tous ces petits trésors d'abord. Je trouve ça très important. Ok. Oh mon cœur! Mon cœur est en PLS, oui, c'est fini. Bon, on aura beaucoup avancé sur ce. Sur tout annexe. Du coup, ça aura fait avancer pas mal de choses, hein, quand même. C'est plutôt cool. Hein. Plein d'autres choses que les tanières. J'apprécie énormément. On va pouvoir très prochainement du coup commencer à se régaler avec, avec certaines choses. Comme acheter tous les trucs du jeu et avoir enfin des meilleures armes. Avoir la meilleure arme du jeu au moment où je ne me battrai plus. C'est une magnifique idée, non? Vous ne trouvez pas? Moi j'apprécie. Hein. Attends, j'ai envie d'observer ça un peu plus. Salutations distinguées, Kino, comment vas-tu? Est-ce que vous pensez que... Je vais pas tester parce que j'ai peur de perdre des PV, mais... Non, je peux pas sauter dessus. En tout cas, le truc se balance à l'infini. Excellent. Ça va et vous donc? Comme d'habitude, comme d'habitude. «
2200, ne perdez pas plus d'un carré de santé. Bah j'en ai perdu 0. Je vais avoir 101% là. Plus qu'à aller chercher le trésor ultime. Là tu vas pouvoir voir du coup, Jukino, le trésor ultime du jeu. Non, la récompense de la muerte en fait. C'est la folie. Ah bah c'est tellement terminé que du coup ils me l'ont mis en surbrillance, en énorme. Ok. Ils vont la mener à sa ruine. Fragment de la carte de Romulus assemblé, lieu ajouté à la carte. Bon bah je le connaissais déjà. J'étais pas censé l'avoir hein, je pense, mais... Je sais pas si on était censé l'avoir en avance. Honnêtement je pense vraiment pas. Je pense vraiment pas, mais c'est bien, du coup ça évite d'y aller et de te rendre compte, de te spoiler quoi en fait. Du coup on y va vraiment que quand on peut. Ça, je trouve ça vraiment bien. Donnez. Tac. Donnez, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, dit la Bible. Une véritable leçon de vie, de sages paroles. Et pourtant, frère Ristoro les papous, Deus omnia videt. On y arrive. Dernier tour de Borgia au passage en plus, c'est vrai ça. C'est vrai. Je vois qu'il y a plein d'assassins aussi qui sont disponibles. Pour la fin, on pourra faire passer d'ailleurs au moins un ou deux assassins en maître. Hein, pour la fin. Un, je pense, pas deux. Mais ah non, bah même pas. Pile poil pas en fait, je crois. Attendez, c'est un truc de... Ah, je peux pas le savoir pour l'instant. Je sais pas si c'est une quête optionnelle ou si c'est un truc d'un bureau d'assassin. Est-ce que ça me l'indique en allant devant? Ça me l'indique pas. Et si je vais sur la carte, ça m'en dit plus? Je pense que c'est forcément un bureau, mais bon, du coup, je vais pas le faire. Donc, le mec est très bas. Donc, il est dans la crypte. Attendez, hein. J'ai un mot à vous dire. Ah bon? Moi aussi, tiens, hop, ça dégage. Aïe. Bon allez, oh là, la doublette. Hop, merci pour le défi les gars. Donc là lui je pense vraiment qu'il est là. C'est embêtant, mais au moins du coup on ira chercher l'armure avant de faire la tour. Et du coup on va pouvoir se délecter d'une magnifique cinématique avec la tour. Pour la dernière tour on aura l'armure de malade hein. Donc ça c'est très très cool. Par contre c'est très très grand et ça me plaît pas. Il peut y avoir plein de trésors, mais ça, ce sera pour le 100%. Hop, la doublette! Ça, c'est pour le défi. Comment s'est passée ta journée? Écoute, ça va. Au tout début, c'était un peu vite fait compliqué. Mais tout le... c'était vraiment au tout début, et tout le reste s'est très bien passé, donc... Ah non, pas de doublette! Alors lui, il paie rien pour attendre. Ah, ils ont eu peur. Ah, la brute qui a peur. Oh, j'adore. Bah alors, mon gars, on est fragile ou quoi? Pour la doublette. Bam! C'est pour les défis, ça. Très bon coffre, on est sur ce qui se fait de mieux, hein. Ça fait plaisir. Je vois que j'arrive pas à trouver le... C'était plus bas, on était à la bonne hauteur. Hein. On est remonté tout en haut, oh là là. Ok, est-ce que je peux faire une doublette? J'y crois pas trop. Ouais, c'est mort. Et toi, comment s'est passée ta journée, Jukino? Plus bas. Est-ce qu'il faut aller au plus bas possible? Non, j'y étais, il y avait rien. De toute façon, c'était là où il y avait le capitaine, ça avait l'air assez détaillé comme map.
Mais en fait, j'y étais, en fait. C'est juste que j'ai fait le tour comme un... Non ? Ah non, non, non. Là, regardez, ça a l'air assez détaillé. Y'a pas un petit chemin par ici ? Ici, là. Oh, c'est très bien, ça. Oh oui, oui, c'est ça. Oh ! Oh oui, ça y est, le loot ultime ! Il est là. Ça, c'est la récompense ultime du jeu. Elle avait l'air plus stylée sur le premier parchemin qu'on avait vu, mais bon. C'est pas grave. Ah ouais, c'est pas très stylé. Ah, c'est moche. Ok. Ah, j'étais trop content depuis le début d'avoir hâte de l'avoir. Et en fait, c'était littéralement à chier, quoi. Est-ce que ça m'a donné sa dague? Je crois que ça m'a donné sa dague. Donc c'est mieux de se battre avec ça. Du coup, c'est mieux que l'épée de base. À mon avis... C'est plus intéressant. Putain, c'était nul. Dans le 2, c'était plus stylé. Ok, donc inventaire, tenue. Ah, c'est pas ici qu'on se l'équipe. Mais est-ce qu'il faut la retirer pour faire ça, du coup? Attendez, ne surtout pas reload la map, parce que sinon, le capitaine, il va respawn. Il faut d'abord finir ce qu'on a commencé. Ça m'a pas équipé la tenue, à la fois celle-ci est plus stylée donc c'est mieux, mais j'ai un peu peur là. Ok. En cas d'urgence, je pratique l'amputation à domicile. Ah super. Super, très, très bonne info, vraiment. Je voulais vraiment... Ça m'intéressait, quoi. Depuis le temps que je cherchais ça, c'est vraiment parfait, quoi. Oh non, il me bombarde. Ok, c'est pas là, j'en étais sûr. Je crois qu'ils ont arrêté. C'est bon, ouais. Ah, ça m'a donné l'armure. Regardez la barre de vie que j'ai. J'ai une barre de vie de malade. J'avais pas vu. Donc je l'ai, mais c'est juste qu'en fait j'ai l'armure de luxe par-dessus. C'est vraiment une armure de malade. Qui prend vraiment le... C'est pour ça que même dans l'émission, on était censé avoir une autre tenue, bah on l'avait pas. Ça prend tout à la place en fait. Tour à tour, je les ai tout eus. Tous les points d'observation également. Oh oh oh. Ok, pitié que ce soit une femme. C'est terrible, je sens que ça m'endormir. C'est terrible. Ah, mais c'est super ça comme... Moi, je trouve ça super comme nouvelle, mais... C'est un homme. Mais Non, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves ça négatif ou positif? Moi, je trouve ça tellement positif, mais... Je sauve pas, c'est un homme, ça me... Ça me plaît pas. Ouais, je l'aime pas. Je le déteste en fait, ce mec. Je le déteste en fait. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Hein. On va faire un cercle exactement comme ça. Paf, paf, paf. On va vérifier ça. On va acheter tous les trucs là. Paf, paf. On achète. Et on va sur mon île. Vous pouvez passer assassin. C'est vraiment un cercle parfait en fait. D'accord, mais comment ça, d'accord? Ça veut rien dire. Ah si, ah non, c'est que t'es d'accord, ah oui. J'aurais cru que je te posais la question de qu'est-ce que t'en penses et tu me dis d'accord. D'accord sur le fait que je trouvais ça positif en fait, tu vois. T'en donner ton avis, ok. Oui, bon bah c'est bien. Bah tant mieux. Hein. Tant mieux. On est d'accord que je trouve ça bien, donc... Et t'es pas la seule personne, hein. Je sais qu'il y a plein de gens, ils ont tendance à s'endormir. Moi j'aime bien les gens qui dorment sur les lives. Hein. Parce que moi je suis le premier en fait, je consomme les lives pour m'endormir en fait. Donc
Moi, à partir du moment où on me dit putain, je m'endors, je suis en mode, mais c'est génial. Hein. Et de me dire que pendant que je dors, bah, les gens ils m'entendent quoi. Ils me regardent sans vraiment le savoir. Dans leur subconscient, ils ont quand même consommé le contenu. Je rentre dans leur cerveau au plus profond d'eux-mêmes. Vous vous rendez compte? Je les pénètre. C'est dingue. Imaginez-vous. Vous m'imaginez vous pénétrer? L'image est dingue. 9 écuries sur 9. Et voilà. Donc là, on a accompli un autre sort pour ensemble. Ce qu'on a toutes les écuries, bah, on a, comme vous pouvez le voir, un destri de guerre qui se met dans toutes les écuries. Donc c'est extrêmement stylé. Et ici, il y a un aqueduc qu'on ne comprend pas pourquoi, mais du coup, on comprend mieux pourquoi il en restait un. Donc là, il y a tout qui se finit d'un coup, là. Oh, on finit tout en même temps, il y a tellement de trucs qui avancent. Ah, j'avais pas du tout prévu ça. Ah, c'est pas mal. Ah, ça m'est vraiment bien. Ah oui. Aqueduc réparé, donc il y a l'eau qui coule à un meilleur endroit. Super, tu manipules tes joueurs. Je suis totalement satisfait. Adieu. Qu'est-ce qu'on me raconte? Pas du tout. Moi, je suis juste en train de jouer tranquillement. Pourquoi on m'incrimine, là? C'est dingue, ça. D'incriminer les gens comme ça. C'est vraiment pas sympathique. Hein. Une femme? Regardons les choses en face. Bon, c'est un homme, quoi. C'est pas intéressant, ça. Et effectivement, c'est confirmé. Il y a bien une recrue qui peut passer. Maître assassin. Donc, on ira faire ça pour la fin. C'est méga stylé. C'est un très beau cercle de fin. T'as, tout est si parfait. Et il y a des monuments. Quand on voit les prix, on se dit, mais j'aurais tellement aimé le découvrir plus tôt pour plutôt tenter celui-là en premier, quoi. Histoire de pas être déçu d'en payer un 40 000 qui ne donne rien. Voilà. Allô? Le personnage ne voulait plus bouger. La 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 la. Ouais. Ah ouais, chaque arche s'achète. Allez donc. Dis donc. Ah ouais, c'est 20 000, là, c'est tout le même prix. Donc c'est 3 arches, en fait, devant le Colisée. C'est pas très recherché, comme ils abusent un peu, les développeurs, là. 3 fois le même truc. Ah, c'est vraiment cadeau, hein. Ils se sont fait plaisir. Hein. On va aller voir, mais ça risque d'en être une, encore. Hein. Ah non, c'est dans le Colisée, ça. Ah non, j'achète le Colisée, en fait, mais ça va coûter 100 000, ça. 100 000, c'est pas beaucoup, hein, mais je sens un petit chiffre rond comme ça, bien un truc vraiment en mode, c'est le truc final. Quoi? Colisée, 34 650! Mais c'est 14 000 de plus que les arches, c'est nul à chier. Bonsoir. Si dans la vraie vie, on pouvait... Hey. Attendez, si dans la vraie vie, un Colisée, ça coûtait ce prix-là, j'en achète un tout de suite, en fait. Et j'organise des trucs de malade là-dedans pour être riche, en fait, pour gagner plein d'argent. Je vais faire mon truc préféré, comment ça s'appelle? Je vais faire un... Comme les Espagnols, là, avec les taureaux. C'est fou, hein, c'est pas du tout mon truc préféré, je déteste ça. Hein. Mais c'est pour la blague, quoi. Comment ça s'appelle? Oui, c'est tellement à chier, j'aime tellement pas que je sais même pas comment ça s'appelle, c'est dingue. J'ai été content de te voir, mais je vais y aller. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, encore un homme. Il y a 2 achats. Mais de toute façon, mon live est terminé. Une corrida. Ah, voilà, en fait, j'allais dire corridor. Depuis le début, j'avais corridor comme mot. Mais du coup, je le disais pas, parce que j'étais sûr que c'était pas ça. J'y étais à 2 doigts. Ah, j'y étais presque. Corrida. Je vais faire ça, je vais organiser une corrida. Ça rapporte à tous les trucs détestables dans la vie. Tous les trucs qui sont les moins bien dans la vie, c'est ce qui marche toujours le mieux. Donc je pense qu'il y a moins, il y a pire que ça, hein, certainement, mais... Moi, je connais pas très bien. Et MDR, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Mais c'est bien pour ça que je l'ai pas dit, que je savais que c'était pas ça.
Ouais, ouais, je sais bien que c'est pas la même chose. Tac, bah plus que deux trucs et j'aurais tout acheté, non? J'ai l'impression que non, très bizarrement. J'aime pas cette sensation, c'est ignoble, mais... Mais normalement, ce sera tout. Là, c'est 5% par truc. Ah ouais, non, si, ouais, ça correspond, ça correspond. Donc c'est la fin. Pas trop s'approcher de ça, j'ai peur que ça lance la quête, faudrait surtout pas. Ah, sinon c'est un échec, hein, là... Ma vie entière est un échec, si ça lance la quête alors que je veux pas. Parce que oui, Jukino, comme j'ai dit, je vais arrêter là, justement. Donc tu veux partir, mais... Moi, je t'oblige à rester, tu vois. Je manipule mes viewers. Je t'oblige. Tu peux pas partir. Tu peux pas, tu vois. Pourquoi tu peux pas? Bah parce qu'en fait, dans moins de 10 minutes, j'ai fini. Non, je rigole, tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, mais là, c'est la fin, donc... Bah du coup, c'est vraiment pas intéressant. Mais... Après, si tu veux que je fasse des quiz, après, je peux faire ça, hein, du coup. Hein. D'ici 10 minutes, ça peut être des quiz. Mais après, si tu dois partir, tu pars. Voilà. De toute façon, bah, ça m'arrange, je vais pas faire de quiz. Hein. Ça aurait été vraiment juste pour te faire plaisir. Mais moi, ça m'arrange vraiment si je le fais pas. donc, si tu pars maintenant, c'est bien hein, aussi. Hein. Vraiment, c'est pas trop mal. Hein. L'idée est intéressante, quand même. Attention! Pardon, je deviens complètement fou, je suis désolé. Donc, ce qu'on va faire, qui est quand même assez important, c'est qu'on va aller... On va aller voir les quêtes marchandes, tout ça. Les rabais, on va profiter, on va tout acheter. On va sortir la tenue quand même pour voir un minimum vraiment à quoi elle ressemble. On va vraiment se l'équiper. Aller équiper, mais faut se déséquiper de celle-là d'abord. Et voilà. Mais je vais aller prendre mon bain. Ah ouais? Bah écoute, vas-y. Hein. Vas-y. Régale-toi, hein. les bains c'est délicieux. Les bains... C'est magnifique. Alors relevé de compte... On a tout. Magnifique. On voit que ce qui rapporte le plus c'est les forgerons, mais il y en a plus. Ah si, ça rapporte vraiment plus. Ok. Là, il y a 1 et 3 à chaque fois, plus tout le reste, on a tout. Là, on a tout. Il y a des choses qui rapportent plus. Les prix sont pas les mêmes, mais ça, c'est le pire truc du monde, c'est pas rentable du tout les monuments. Ok, là on a les rabais maximales. Très bien. Donc est-ce que si on fait les quêtes de marchands, c'est très simple, hein, vous allez voir. Est-ce que ça m'accorde des rabais supplémentaires à la limite par exemple? Quête marchande. Et il veut que je lui vende des trucs. S'il faut, je l'aurais pas assez pour les autres quêtes, mais je pense pas qu'il redemande spécialement plusieurs fois le même truc. Avec ça, je pourrais acheter du venin. J'accepte, je vends. C'est pour la quête. Hein. Voilà. Donc je peux... Non, pas me soigner, ça m'intéresse pas. Article... Donc lui... Vraiment plus intéressant. Ok, je reste. Non, mais. Vas-y. Non, mais c'est pas une blague. Hein. Va prendre ton bain. Le bain, c'est délicieux. Profite. Comme ça te fait peut-être un bain plus long, j'imagine, ou je sais pas. Vas-y. Hein. Oh, il manque une tête réduite. Eh ouais, c'est bien ce que je me disais, c'est la première fois que j'en avais une. Donc je peux pas tout avoir. Là, il faut des pièces de Vlad l'Empaleur. Ou en terre cuite. Allez, on fait ça. Argent sale. Quête marchande. Donc là, il me manquera cette quête. Ouais, il faut une tête réduite. Donc ça, faudra attendre. Malheureusement, faudra attendre. De la VOD des collectibles qui sera à la fin. Pour pouvoir avoir ça. Ou alors, espérer qu'on tombe sur un coffre avant et qui contient la tête réduite. Hein, mais. C'est pas forcément bien sûr. L'arbalète, on achète, ça fait longtemps qu'on attend. On a vu que la réduction s'est bien appliquée en plus, donc c'est parfait. Là, on a bien la meilleure arme légère, parce que tous les autres trucs sont plus nuls. Pour l'instant, on l'achète pas. On a un principal. Ah, on dirait que ça m'a donné une arme principale aussi, en fait. Ah, c'est incroyable. Ah, donc ça a aussi changé mon épée. J'ai l'épée longue. Ah, la quête me l'a donné direct.
Donc soit j'ai arme lourde, ah ouais, épée longue ou glaive, mais il faut l'acheter. C'est le fourreau renforcé pour l'avoir. Pour avoir des armes encore plus... Ah ouais, ça m'intéresse. Hein. Ça, il me le faudrait, c'est la meilleure arme. Oh, waouh. Et armure, bon, ça va attendre. Ça va attendre, mais ça coûte pas si cher. Hein. Ah, ça coûte pas si cher. C'est comme tu veux, non mais... Si ça peut en plus te rallonger ton bain, vas-y. À très bientôt. Va te régaler. Laissez-moi vous dire que vous... De toute façon, là, c'est pas très intéressant. Va te régaler, vas-y. Tac, quête marchande ici. Il manque un truc encore, mais ça va bientôt être bon. Carte au trésor, on peut se faire plaisir, mais on fera ça plutôt à la fin, justement. Ah, mais un mec vend tout? Non, c'est bizarre. Ombre gris, pomme de senteur. Donc ça donne... T'as mis cette quête marchande pour débloquer la carte du trésor du Vatican. Donc ça va me la débloquer direct. Je crois que du coup, j'ai pas besoin de l'acheter. Ça, c'est quand même assez avantageux. Trésor du Vatican. Vous possédez déjà cet objet, ouais, c'est ça. Les tableaux, ça sert à rien de les acheter maintenant, parce que de toute façon, on fera ça à la fin. Le plaisir est pour moi, mais c'est... C'est trop stylé d'avoir la balette dans le dos, mais depuis le début, j'aurais dû l'acheter depuis tellement longtemps, tellement que c'est stylé. Oh, je regrette. Là, il manque de la soie, de la teinture de cardinal. Ah ouais. Le grand car, quoi. Parachute, ok. Teint de la cape, ça sert à rien. On a la tenue spéciale, ça sert à rien. On peut s'amuser à acheter toutes les sacoches. D'accord, vas-y, fais-toi plaisir, régale-toi. Eh oui. Bon bain. Four renforcé, let's go. Faut acheter que les trucs en version grand parce que les autres ça sert à rien. À demain. Ouais, gros bisous, à demain. Là, la moyenne du coup ça évite d'en acheter plusieurs. Ah, c'est mieux ça. C'est une bonne tactique. Dans les autres on aurait été obligé de... Ah ouais, ça l'a fait acheter au passage en plus. Mais sans payer plus du coup. De sacoche de remède. Merci, ouais, de rien. Vas-y, régale-toi. On va avoir 1000 couteaux. Voilà, depuis il reste plus que le grand carquois, mais pour ça il faut la quête. Et puis voilà, on a bien avancé là. Waouh! Ah, c'est. Oh. Ah, c'est pas mal, hein. Du coup, je suis censé pouvoir avoir plus de parachutes. Ah, mais faut lui acheter, du coup. Ah, c'est pas offert par la maison. Ça me dégoûte un peu, mais... Je pensais que ça l'était. Les parachutes, faut les acheter. Les autres trucs, non, mais les parachutes, c'est obligé, parce qu'il n'y a aucun autre moyen de les avoir. Et ça servira pour les quêtes, donc c'est pas mal, hein. Je sais toujours pas comment on déploie les parachutes. Et vous avez vu que j'avais largement assez d'argent. C'est confirmé, j'aurais jamais dû laisser le PC tourner en fait. On va dire que c'est bien d'avoir laissé le PC tourner parce que c'est le contre du fait. En fait, c'est le contre du fait de pas avoir pu optimiser tout de suite tout ça quoi. Donc c'est parti, je vais enlever cette tenue pour pouvoir observer. Ok, je retire et on va voir. Oui. On va observer en cinématique, hein, on se spoil pas. On a mis la cape d'une couleur que j'adore, ça c'est vraiment pas mal. Il faut le défoncer, s'il faut il aura une couleur propre de cardinal par exemple, ce qui me manque. Hein. Un exemple typique. Voilà, le saut de malade. Oh, il est trop con, être sûr. Oh, vite. J'entends marcher à droite. Ok. Il se joue de moi. Hein. Je vais sortir le pistolet, il va... Oh là là. Il va rien comprendre.
Tu veux jouer à ça? Mais putain, mais Ezio, mais sale con! Mais putain! C'est pas possible, mais... Et voilà, il continue! Mais il est handicapé, c'est quoi cette fin de Mongol? Putain! Voilà! Insupportable! Voilà! Ah, il y a un coffre! Ou pas un coffre d'ailleurs. Si. Parfait, je crois que je l'avais vu une fois et j'avais fait exprès de pas le prendre justement pour pas que vous le ratiez en VOD. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, je vous attends vraiment donc. Donc c'est parfait. Let's go! On a tellement bien avancé dans cette VOD, c'est dingue, j'aurais jamais pensé. Je pensais juste qu'il y a tous les trucs nuls. C'est incroyable. Toute la sagesse de notre credo est contenue dans ces paroles. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Oh yeah. Rien n'est vrai. Tout est permis. On s'est pas bien rendu compte de la tenue, je trouve, hein, dans la cinématique. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ok. Nébé. Donc là, c'est les armures. Ah ouais, ils nous ont donné la gondole. Elle est moins belle, hein. Elle a pas les petits effets trop stylés qu'elle avait. Ça, c'est les trucs romains. Tout le reste, j'ai pas. Ça, c'est l'armure de malade. Ok, tout le reste j'ai pas. Ils m'ont aussi donné ça, le chariot, la machine volante. C'est incroyable, ça c'est les tableaux de boss. Là c'est pour partir. C'est l'épée de ouf. Ah c'est trop bien. D'un coup on est vraiment devenu puissant, la barre au max. Ah ouais. Petit stiletto nul. C'était le truc de base, ouais. Celle que j'ai de ouf. Ah oui, c'est... Ah oui, d'accord. Attends, c'est du 5-5-5, mais il faut se battre du coup à la petite épée, pas à la grosse du coup. C'est plus rentable, non? Il y a le coffre de plumes qui... C'est vrai qu'il va falloir remplir ça, ça avance bien, on y est bientôt. Ici c'est quoi? Ouais, c'est l'endroit où il passe assassin. Donc ils l'ont vraiment mis pour le lore, hein, c'est remodélisé et tout. Les défis des assassins, est-ce que ça a bien avancé? Oh! Ça a ultra bien avancé, regardez, il faut juste des signaux pendant un combat et des déluges de flèches. Et des déluges de flèches, ça se fera facilement, enfin, faudrait juste y penser à faire que ça en fait. Dès que mes assassins auront plus besoin de partir en mission, c'est littéralement ce qui va se passer. Hein. Oh yeah! Oh, merci beaucoup pour le follow, Grim. Comment vas-tu? Bienvenue. Tac. L'XP. Ça, ça en donne beaucoup, ça dure que 10 minutes, donc on va les envoyer vite fait là-dessus. Malheureusement, ça suffit pas. Tac. 2500. Ok, donc celle qui a le moins de niveau qui va en profiter, c'est délicieux. Ah, c'est dommage d'avoir mis autant. Salut, ça va, salut. Bon, malheureusement, t'arrives sur la fin. Là, je viens de finir toutes les petites tanières de Romulus, c'était excellent. Et, il fallait que je m'arrête le temps de faire le montage et après partir manger. Je fais le même marathon, force à toi, c'est vrai. Excellent. Ouais, merci beaucoup, moi j'ai l'habitude. Hein. De toute façon, je suis un joueur de 100%, donc... Donc le faire le 100% sur tous les jeux d'affilée, c'est facile. Hein. Surtout qu'à partir de celui-ci, c'est moins difficile à avoir tous les collectibles, donc... Donc c'est cool.
et 900, pas mal, ouais. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de limite sur les quêtes, ça doit être infini. Je pense que ça doit être infini. Parfait. Parfait, parfait. C'est n'importe quoi, là. Bon, bah la tenue, qu'est-ce que j'en pense? Elle est un peu nulle, hein. Je trouve que Ezio, il a une tête un peu pas crédible non plus. Ça va pas du tout. Dans cette tenue, je sais pas, y a rien qui va, je trouve. C'est dommage parce que la cape rouge et orange, j'adore. Mais c'est dégueulasse. Après, finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus stylé? Est-ce que c'est d'avoir une tenue de l'édition collector ou je sais pas quoi? Ou est-ce que c'est qu'on n'a pas vraiment, voilà, qu'on a juste payé avec de l'argent? Ou est-ce que c'est plus stylé d'avoir quelque chose qu'on a quand même mérité, quoi? Mérité, mais moche. L'autre, j'étais pas convaincu non plus à la base, mais bon, je sais pas, je m'y suis... En fait, je pense que c'est que je m'y suis habitué. Je suis sûr que c'est pas mal, ça. Je vais rester comme ça. Hop, petit centrage. La VOD, j'espère que vous avez beaucoup apprécié. Si c'est le cas, bah écoutez, je vous fais un très très gros bisou, et puis je vous dis à la prochaine VOD bonus pour... certainement... des choses comme repère de Templier ou agent de Templier, et puis après les missions de guilde, les défis, tous les collectibles, tous les achats. C'est la guerre. Je pensais encore il y a quelques heures que ça allait être un peu plus long de finir tout ça, et en fait, d'un coup, comme ça là, c'est avancé si vite. C'est effrayant. Le temps passe si vite. Je vais déjà bientôt mourir. J'ai bientôt 70 ans. Oh mon dieu. Adieu la VOD. Adieu. Je vais pleurer, ça va trop vite. Oh, j'en ai vraiment des frissons. Je suis fort en théâtre, bordel. Voilà, les émotions jusqu'au bout. Oh la VOD. Je vous aimais.